Hello, nous sommes le podcast en Saber le casque, meilleur podcast au Québec après Radio X. Wow, avec Marco Lalonde, puis son frère, un invité, un humoriste en gaz en France et la gaz de son. Meilleur podcast du Québec, wow. Salut tout le monde, bienvenue au Saber le casque, épisode 85. Hey, 85. Yes, yeah. Bravo. Yes. il y avait aucun jouet à la dedans. Hey, on s'en c'est épisode 85, puis après ça, tu vas aller pleurer dans la douche. Oh, qu'est-ce que je suis tanné, moi. On s'en calissait tellement. Mon beau podcast, il est mort. Pourquoi ça lève pas mes projets? T'es un loser. Bon, je te laisse animer. Continue. C'est bon. Donc, si vous avez deux minutes, allez liker nos shit. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Sinon, likez notre page Facebook. Puis si vous écoutez sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles. Il va faire tirer un t-shirt juste après. Je vais te compter tout le long, finalement. Je t'ai endormi, t'as dit action, je suis réveillé en tabarnak. C'est pas vrai. C'est chaud, tu faisais pas un estime. Non, non, dans le champ, je me préparais. Je me préparais pour t'attaquer. Ouais, je suis magané en plus. Alright, c'est pas facile. Non, mais non, y'a pas de trouble, mon gars. Faut qu'on présente l'équipe à la console, monsieur Philippe Lalonde. C'est bravo, yes, yes. Personne l'applaudit. Tout le monde s'en connaît. Monsieur GF Dénommé. Ouais, moi je vais le faire parce que je sais pas. Et très content d'avoir avec nous cette semaine, monsieur Gab Cyr. Hello. Monsieur Emeric Côté. Salut. Yes, sir. Yes, sir. Bien content, les boys. Bien content. Il vaut, hein. Il me flatte déjà, tu sais même pas. Doit un gros pénis, cet homme-là. C'est clair. Hey, on m'en déçoit une coupe. Mais un assez gros pubis aussi, tu sais. Quelque chose qui sent. Mais nous, à chez pubis odeur. Tu sais, quand tu dis pubis odeur, là, c'est ça. C'est ça. Ah oui. Ah, mais nous, à chez Piqueta, en bas de 8 pouces, ça a l'air petit, c'est sûr. Ouais, ouais, mais ça dépend. Là, vous mesurez ça avec quelle unité de mesure, là? C'est lui qui m'avantage le plus. Moi, là, n'importe en centimètres là, par millimètre, j'ai une crise de grande. Moi, avec la plus petite règle que je peux trouver. Ben oui, ben oui. All right. Fait qu'en sujet d'intro, j'ai vu... Ouais. Non, c'est bon. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais juste pas sûr si c'était la bonne page qui était ouverte. Mais ouais, et, le corps sans vie de Tania Weiss, une jeune femme enceinte de 8 mois, a été retrouvée le 24 août dernier dans un fossé en Floride, aux États-Unis. Okay. Une autopsie du cadavre a été pratiquée, puis dans le fond, la fille, c'était une future maman, âgée de 23 ans, qui avait un traumatisme crânien, puis une blessure à la gorge. C'est un suicide, c'est sûr. Là. C'est quand même drôle que l'article genre, quand mentionne que le fœtus n'a pas survécu. Oh wow! C'est weird! Est-ce que c'est deep, pareil? La mère meurt, t'as un petit fœtus qui sort. Porteuse pour finir la fécondation de cet enfant. Oh man, est-ce que c'est con? Est-ce que ce serait weird? Qu'est-ce qu'on commence ça en joie? Hey, oui, ouais, on commence ça tout le temps. C'est comme le... T'aimes ça? Ouais, ça ferme la porte aux gens qui aimeraient pas ça. C'est comme, ok, on va écouter autre chose. Ouais, oui! Genre, ouais, tout de suite, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ouais, après ça, on peut faire des jokes de viol pis tout, pis ça pose. Ben oui, c'est ça. Fait que très rapidement, les soupçons se sont portés sur un certain José Soto Escalera. Une chance que les soupçons sont pas sur le fœtus. Le fœtus on soupçonne le fœtus, on est à la recherche, on a des preuves. Un couteau retrouvé sur le bord du vagin. Ah non, mais c'est mort dans l'œuf. Fait que moi, dans le fond, les soupçons sont allés vers le gars de 41 ans qui avait, dans le fond... Cet homme marié et père de famille trompait sa femme avec la fille de 23 ans, Tania. Des témoins ont aperçu son véhicule sur les lieux du drame et les empreintes digitales suspectes ont été trouvées sur place. Dans le fond, quand Tania est tombée enceinte, le gars il a offert 500$ pour qu'elle avorte. Elle a refusé, fait qu'il l'a tué. Oh shit! Tu que c'est tu? Il n'y avait pas de deux solutions. Non, c'est ça, il y aurait un radical. Non, mais. Tu sais, un bon vieux divorce. Ouais, c'est ça. Juste, hey, non, ça marcherait pas. Je sais pas si au début il avait montré ses deux solutions. Comme... Il y avait un diagramme. Qu'elle aurait dit oui finalement. C'est drôle, ça finit à tes autres quelle fin de semaine. Okay. Ouais, c'est ça. Ben, t'as deux choix. Soit je te donne 500$, soit je te crisse dans un fossé. Choix simple. Ben, wow. Oui. Mais en même temps, c'est un homme qui a pris les moyens dans ses mains pour réaliser ce qu'il voulait. Ouais, c'est un homme à qui on ne dit pas non. Fait, c'est... Sérieux. Là. Fait que ouais, le gars l'aurait assassiné, il a été interpellé, placé en garde à vue. Puis on ignore si Tania était enceinte de lui, car elle avait plusieurs amants.
OK. J'aime la fin de la musique. Ben oui. C'était peut-être le père. Fait que lui, il a pas pris de chance. Là, tu veux dans le fossé. Ça, c'est un travail d'équipe. Il y en a pris une pour le club. On s'entend, là. C'est une participante d'XOXO, ça, c'est clair. T'imagines-tu pour vrai que c'est pas lui le père? Il l'a tué pour fuck all. Ben oui. Mais j'imagine ils l'auront jamais su. Mais j'imagine juste qu'elle dit ça à tous les gars qui allaient coucher juste pour recevoir plein d'argent de tout le monde, dans le fond. Là. Mais j'aime son truc, je vais prendre en note, tu me donneras le lien. Là. Oui, 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 il m'a envoyé ça. Faitdiver.org. Parfait. Il y a des histoires de tout ça, puis des enfants qui se font violer, des choses de même. Ouais, c'est, ouais. C'est un peu dégueulasse. Ça commence bien une journée. Non, oh, oui, vraiment. C'est rafraîchissant. Ben oui. Puis, ouais, je viens de me rappeler, dans le fond, j'avais dit, j'avais rencontré une fille hier qui, j'avais dit que je pluguerais son shit. Dans le fond, au Foufoune Électrique, le 14 octobre, il y a un événement qui s'appelle Montréal Punk Rock. Filéa Market, dans le fond, il, je pense que c'est des artisans punk, là, genre ouais, qui vendent du linge. C'est un Filéa Market, en fait. Il y a, je pense qu'il y a Broken Stoke de Montréal qui vont être là aussi. Ouais. Une Sharp. Ok, tu connais l'événement, oui? Ouais, ben, je connais l'événement. Tu connais ben, l'événement? J'ai entendu parler. Est-ce que okay, c'est drôle okay. que Filéa Market, je l'ai ouais. prononcé Filéa? Ouais, c'est ça. Ouais, moi, en fait, je voulais le plugger hey. Subtilement. Je... Ouais, le Filéa Market. J'étais content que tu le fasses. Moi, j'aurais peut-être moins mis des gants blancs, genre, c'est parce que c'est Filéa, là. Filéa, c'est espagnol, ça, là. Voyons, Filéa, calice, réveille. Ouais, fait que non, ils vont vendre du linge, des skateboards, des vinyles, pin and patches. Ça. Ouais, ouais. C'est-tu des pine and patches? Des posters, c'est moi l'habitude qui se fourre. On dirait un fruit en anglais. C'est une pine and patches. Ça a l'air d'être surette. Ouais, pour ouais, ouais. C'est sûr. Mais c'est plein de merch punk, puis punk, metal, rock un peu. Mais c'est ouais. très cool. Pour vrai, Broken ouais. Stoke, là, ils étaient là au Rockfest, ils étaient là à plein de places. Puis le chandail, c'est des artistes montréalais qui les font. Okay. Les dessins sont épiques. Là. Ah ouais? J'en ai acheté un, c'est comme un chat qui se fait griller un poisson. Sur un feu de camp, mais c'est comme badass. Ah ouais. C'est vraiment badass. Ouais, c'est très cool. Ah, c'est cool. Fait que allez voir ça, puis on va commencer avec la chronique de Philippe. Yes! Cette semaine, un autre top 5, et le top 5 de cette semaine, c'est le top 5 de mes malaises préférés. Fait que j'ai décidé de compiler les petites choses de la vie qui me rendent un petit peu mal à l'aise, puis vous les présenter. Donc, au numéro 5, j'ai mis les films de porn québécois, parce que j'aime beaucoup me procréer sur de la porn, comme plusieurs d'entre nous, mais j'aime ça être en terrain familier. Mais pas tant que ça. Tu sais, quand je me crosse, j'aime mieux entendre « fuck yeah, fuck me, you piece of shit » que « baise-moi, Thomas ». Tu sais, je trouve que ça sonne pas nécessairement bien. C'est comme entendre sa mère crier « va faire ta chambre ». J'aime mieux entendre ça que « baise-moi, Thomas ». Tu sais, c'est plus convivial. J'aime surtout la porn américaine. Je trouve ça plus naturel en anglais avec des anglaises qui chiolent. Parce que quand je pogne un vidéo en québécois, j'ai l'impression un peu d'écouter Sylvain Cossette qui fait un autre album des années 70. Des années 70. Je trouve que c'est comme ça, c'est pas naturel. C'est ça, oui. Donc, oui, j'aime pas me faire demander aussi ce que je pense d'un bébé inconnu. Ça me rend vraiment, vraiment mal à l'aise. Tu sais, la phrase « il est beau, hein? » Ça, c'est supposé beaucoup de choses, mademoiselle. OK? Parce que premièrement, il est pas beau, il est petit. La preuve, quand il chie, tu dis « hey, il a fait un beau petit caca. » Ben, c'est ça. Montre-moi un mini tas de marde puis je vais le trouver cute. Puis là, c'est vrai que Chris, qu'il y a des bébés laids. Hein? Oui, il y a des bébés oui. qui sont horribles. Un bébé naissant, là, c'est dégueulasse. C'est pas tous des merveilles. Là. Ah non, Chris, c'est vraiment pas tous des merveilles. Ouais. Puis là, elle veut évidemment. Allez, elle veut évidemment que tu prennes la chose dans tes bras. Mais honnêtement, moi, je trouve qu'il est bien dans tes bras à toi. Ça serait pas mal là, il faudrait que ça ouais. se finisse. Il y a Max, genre le frère de ma blonde, dans le fond, quand il est né, sa grand-mère, elle a pleuré parce qu'elle le trouvait trop laid. Oh non! C'est épique! Non, mais le gars, il paraît bien, c'est un beau gars, là, mais genre. Mais quand il était ouais, bébé, mais au fond, lui, il va rester laid toute sa vie. Ouais, non, mais ouais. Wow. Genre, il avait la tête un peu déformée. Plus, genre, il y avait sa mère qui avait des mains qui étaient comme, oh, il est non, mais beau. Puis là, il y avait sa grand-mère qui pleurait. Non, il est laid. Mais ben non, il est beau. Non, il est laid. Ouais, c'est bon, ça se fait dire la vérité. Là. Ça se ramène sur terre. Là. Dès que rush ton petit boss de naissance, t'as été enflé. Reviens ici, t'as pas de Non, c'est pas grave. Au numéro 3, j'ai mis les gens qui louchent parce qu'on dirait que c'est les seuls qui n'ont pas l'air d'être au courant, qui sont à 500$ puis une salle d'attente d'une solution. À chaque fois, je suis comme « Chris, pourquoi tu t'en occupes pas? C'est bizarre. » J'allais regarder quelqu'un qui louche parce que je sais jamais à quel point ils savent que j'ai aucune idée lequel des deux marche réellement. J'ai quasiment le goût de comme, lui donner une pichenote dedans, voir lequel fonctionne puis voir s'il peut me cogner avec précision juste tout de suite après.
Ma mère me disait tout le temps, moi, quand j'étais petit, genre, de pas crocher mes yeux parce qu'ils vont rester pognés de même. Fait que je me suis demandé si eux sont capables, en forçant, de les décrocher, puis que leur mère leur disait, comme, « Cédric, arrête de faire ça, maman aura plus de subvention. » Au numéro 2, j'ai mis les gens riches. Les gens riches me font un peu bad-tripper parfois parce que... Mais surtout quand ils essayent de pas avoir l'air riche quand ils en parlent. Je donne un exemple. Mettons, ils ont une femme de ménage qui vient à la maison pour faire le ménage. On dirait qu'il veut juste pas mentionner que c'est une femme de ménage. Il va l'appeler genre Nicole. Genre Nicole, elle vient à la maison, peu importe. Il va jamais l'appeler femme de ménage. T'sais, il va dire genre « Ouais, c'est ça, j'ai une dame là, qui vient à la maison puis elle nettoie les surfaces. Elle assainit le logis. » Puis il faut tout le temps qu'il mentionne qu'elle paye aussi un salaire qui est honnête. Mais moi, ce que j'aimerais le plus, c'est qu'il mentionne juste comme « Non, tu sais, elle est pas noire ou rien, là. » Je veux dire, je suis pas insensible à l'histoire de l'Amérique, là, faut bien se comprendre. numéro 1, j'ai mis aussi les rappeurs amateurs. Je sais pas si vous en connaissez. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus malaisant qu'un ami qui s'est découvert un talent pour le rap la semaine passée. Yo, moi, je suis rappé, man. Pis, ah oui, OK. Je risque que j'ai pas le goût d'entendre non, ça. Non, je vais faire un rap, là. Yo, Ouais, c'est juste être haïtien un peu. Juste un peu xénophobe. Le problème avec lui, c'est qu'il fait pas juste vivre son art. T'sais. Lui, il veut te montrer à toi ce qu'il fait. T'sais. Fait que là, t'es chez eux. C'est un peu stéréotype, mais probablement à Schlaga. T'sais, ça me semble d'un endroit propice pour un M&M en devenir. Puis là, il te montre ses compos. Puis 99% du temps, c'est de la crise de marde. Puis là, le problème, c'est que tu peux pas y dire. Fait que là, tu t'essayes de hocher de la tête, tu sais, sur son petit beat de clavier, genre digne de Fisher Price. Puis là, il faut que tu trouves toutes les façons, genre, de trouver son projet cool, genre. Nice man, tu parles vite, puis tu sais, t'essayes de l'encourager, ça reste un chum, tu sais, puis tout. Puis là, le pire, c'est qu'il parle de trucs méga personnels là-dedans, genre ma mère me battait, puis j'ai fait des familles d'accueil, puis malgré ça, c'est drôle, mais je suis pas capable d'oublier que dire deux fois le même mot, c'est pas une rime, genre. Fait que, ouais, c'est ça. C'est de la style de mort, ouais. Fait que c'est sur un malaise que je finis mon top 5. Je parle de ta chronique, de la style de mort. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Non, moi, j'ai aimé ta chronique. Ouais, c'est bon. Merci, Aymeric. C'est agréable. C'est, j'aurais dû chanter Ginette Renaud à la place. Ouais, faire un rap. non. C'est mieux pas. OK, yo. C'est mieux en pas. En plus, genre, pendant que tu disais ça, je pensais juste à ton chum qui rappait avant, Louis, qui est genre probablement ton seul ami qui rappait. Non, il y en avait un deuxième, en fait. OK. Louis, c'était correct, mais il y en avait un autre que, en particulier. Puis genre, le gars, on n'était pas tant chum. C'est ça qui était le plus drôle. Puis il me montrait ses affaires. Puis malgré ça, je me sentais obligé de faire « Ouais, c'est chill. C'est que... Ah, c'est intéressant. » On veut des noms. Aymeric, il rappe. Ah, tu rappes? Ah oui? Chris que oui. Ah oui? Non, no joke, on était avec Rémi. On descendait. Je pense qu'on descendait justement chez Jer la soirée qu'on t'a vu. Puis on a foutu un beat, genre, tu sais, le classique, là. En tout cas, le classique 8 Mile, genre. Puis il s'est mis à spit, mais comme... J'étais comme... Shit, tu fais du rap? Non. Mais tous les mots rimaient, puis c'était full agressif. Genre, OK, yo! Puis là, il OK, yo! My name is MC Fat Rick. As-tu déjà travaillé dans une cuisine? Jamais. Oh shit, OK, c'est impressionnant. Le rap de cuisine, c'est un classique. C'est connu, ça? J'ai juste travaillé dans une cuisine, puis j'ai aucune idée de quoi tu parles. Ouais, tabarnak. Juste, tu fais tes frites, puis là, quelqu'un commence à lancer un verse. Mais tu sais, c'est horrible. C'est juste rimer en s'insultant. Parfait. Mes plus grandes compositions ont été faites pendant que je faisais une découpage de melon miel, souvent. Si je l'ai pas vu venir, la melon miel. Ah, moi non plus, ça a popé du sol. Oui, ça a popé. Nice. Ah, good job. Quoi? Un professionnel. Bon, ça, c'est ça. Hein? Sinon, vous autres, les boys, c'est des bons chums dans la vie. Vous êtes rencontrés comment? Ah non, ton podcast. Oui. Moi, j'ai un podcast. Oui. C'est quoi le nom? C'est le Stoner Show. Okay. On fume un bat avec notre invité, on est boss de tête. Ouais, je l'ai écouté, man, je l'ai écouté. Je savais même pas que c'était toi qui faisais ça. Ouais, je l'ai écouté, je trouvais ça nice. Petite voix aiguë, là. Ah! Mais que vous avez arrêté de faire, d'ailleurs, tu pensais... Ben, comme vous pouvez écouter le dernier qu'on a fait, si les auditeurs veulent l'écouter, on explique pourquoi qu'on l'a arrêté pendant un moment. OK. C'est parce que le co-animateur avec qui je fais ça, Samuel Vien, qui est mon grand ami,
Bon, il est bipolaire. Bon, fait que lui, il, a... il est mort. Là, il va bien, puis ça ne dérange pas que j'en parle, c'est pour ça que je le dis. Oh, oui. Là, il va bien, fait que j'essaye d'en profiter pour faire le plus de projets avec lui pendant qu'il est in. Avant qu'il se suicide. Parce que je ne sais pas si demain il va tout lâcher, comprends-tu? Ouais, je comprends ça. Okay, fait que moi, je vis constamment avec un stress de performance. Je suis-tu correct? Mais c'est hâte que ton plan, c'est de le pousser jusqu'au bout, j'ai que ça crash down, ça aide de ta faute. En fait, là, c'est non, ça qui a détruit non, Michel Courtemanche. La coke s'en vient, c'est le prochain step. En passant, on dit Courtemanche. Oh. Il est de retour. Oui. Oh! Allez, ben oui, c'est capsule vidéo. Ouais, j'en ai vu. Ben, j'en ai vu, c'est ça, tu sais. Michel, coucou. C'est quoi, c'est de la city de merde, ça? J'ai. Non, c'est Chris. Ben, c'est bon. C'est wow. Il fait des genres de bruit que ça bouge pendant un heure. Oh, C'est sûr que l'humour de Michel, c'est plus la même aujourd'hui. Non, c'est sûr. En 91, non, mais avant, il amenait quelque chose d'original. Ouais, maintenant, il met une contrebasse. Puis... Moi, sérieux, ça m'a. Mais je sais pas, pas pour vous autres, mais quand je regarde Michel Courtemanche aujourd'hui, je suis juste triste. Je suis comme. Elle a dit continuer à consommer. Ah, le pire, c'est que. Mais c'était le Jim Carrey du Québec. Littéralement. Ce qu'il a vécu qui est triste. Puis là, je le vois, je fais comme ça va pas, hein. Comme, j'ai goût de donner de l'argent à quelqu'un. Mais je pense que tu le gardes une volée. Mais il travaille quand même sur beaucoup de projets en dehors de la scène. Je pense qu'il est quand même au courant vraiment de ce qui se fait. C'est juste que lui, tu sais, ça l'intéressait même plus dans le temps qu'il était dans son pic. Je l'ai rencontré une fois, moi. Michel, je travaillais sur le bye-bye en 2000. Je me souviens pas. Anyway, il était sur un bye-bye, puis honnêtement, c'est le gars le plus drôle que j'ai rencontré de ma vie. Ouais. En dehors des caméras, là. Calice qui arrête pas, man. Ben, ça paraît pas, là. C'est comme Marc Labrèche, là. Ouais. C'est un chum à mon père, je le vois quand même souvent. Ah oui? Puis, man, c'est le gars le plus hilarant. Ah, man, j'adore. C'est mon idole. Le plus hilarant que j'ai vu de ma fucking vie. Ah, il laisse des messages. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais whatever, encore lisse. Il laisse des messages. Dis-moi des violer. Messages. Non, il laisse des messages chez mes parents parce que mon père fait des. Tu sais, il travaille avec, puis il fait des jobs, tout ça. Puis, man, il imite des vieilles bonnes femmes de 87 ans, mais comme. C'est la chose, honnêtement, c'est la chose la plus drôle au monde. Qu'est-ce que c'est drôle? Ah, mais... C'est-tu qui est drôle, mais ce tout ce qu'il fait est fucking bon. Ah, ce gars-là. J'aimerais ça le rencontrer un jour, ça, sérieux. Je connais son adresse. On y va, on s'en va là. Donne-la en onde, c'est-tu comment? Ouais, fait que vous êtes rencontrés comment? Alors, c'est ça, à un moment donné, ouais, on l'avait invité. On se déplaçait. T'sais, la première génération du Stoner Show, c'était vraiment bric-à-brac. On avait un micro Yeti qu'on mettait au milieu de la table, on parlait tout autour de ça. Fait que la qualité n'est pas là. Vous voulez pas le dire, je le vois dans un vos micro yeux. Yeti, puis, c'est quoi ça? Excuse. Un micro Yeti, c'est un tout petit homme des neiges qu'on mettait là. Un petit homme des neiges. Non, 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 c'est un micro. Mais, un tout petit coach. Homme des neiges. Tu m'as perdu pour 4 heures. Là. Non, je suis désolé. Là. Des fois, mais non, mais non, c'est drôle. Est-ce qu'on va, hey, on va rester sur ça tout le long? Mais on avait été chez dans l'ancien appartement à Gare avec son équipe. OK. Puis DMTL Vox Pop. Oui, oui. Sur les caméramans, puis les techniciens. Puis c'est le fun. Ouais. C'est là que je l'ai rencontré, puis ça a cliqué. Puis, tu sais, on ne dit pas souvent, mais on s'aime beaucoup. Ben ouais, oh, oui, je l'aime énormément. Ben, c'est chaud dans le cou, hein. Moi, je sais, mais j'aime ça, la sueur d'homme. Il y a une tension. Mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, déjà, ma job de. Ta gueule. OK. J'ai pas compris. Excuse, j'ai ignoré totalement. J'ai pas. Non. Déjà, ma job, je peux pas fumer de weed parce que j'ai des tests. Ah, ouais. Puis là, ils m'ont dit, ah, mais c'est correct, tu sais, tu boiras. Là, j'ai pas. Ça achète une caisse de 12. Puis avant même qu'on commence le podcast, j'en avais vu comme 13. Ah, la gang était scrap. Pour vrai, j'ai aucun souvenir de ce podcast-là. Ah ouais? Mais il était bon, je l'ai écouté. Pour vrai, il était bon ce podcast-là. Pour vrai? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment absurde. Là, quand je dis que la préparation, c'était pas notre point fort. Là. notre concept, parce qu'on fume un joint avec nos invités. Ouais, ouais. Mais on arrive là, rien roulé, pas de paye, pas de grinders. Mais on a du pot. Tu sais, c'est comme. Trouvons c'est un pire, moyen ça. De consommer. Non, mais. Ça finit dans une canette. Quand on a commencé ça, c'était vraiment. On s'est dit, ça pogne. Tu sais, on va vraiment faire ça. Ben, c'est ça qu'il faut faire. On va vraiment faire ça pour nous.
Mais tu sais, vraiment, là, c'était vraiment la pensée. On se crissait de la qualité. Oh oui. On se crissait que le monde n'ait pas de contenu. Puis malheureusement, on peut pas faire ça. Faut qu'un podcast ait quand même du contenu. Ouais. Faut, tu sais, on fait ça parce qu'on aime ça. Mais faut aussi penser aux auditeurs qui nous écoutent. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que là, on avait pris une pause tout l'été. Puis c'est normal. On a nos projets de chaque bord. Puis mon chum Sam, ben, il a une business aussi à rouler de okay. son côté. Fait qu'on a pris une pause, mais là, on revient puis avec un meilleur équipement. Là. Ah, c'est cool, ça. Avec, c'est ça. On a hâte de recommencer avec un peu plus de contenu. Ben, mais là, c'est normal, ça prend tout quand même une couple d'épisodes avant de trouver exactement ce qu'il faut que tu fasses. Là. Je veux pas se prendre du temps. Oui, oui. Mais tu sais, ce qui est fantastique à travers ça, c'est que les critiques, c'est qu'on s'en calisse. Juste vous écouter, c'est rafraîchissant, si je peux dire, parce ouais, que ouais. tu te casses pas la tête. C'est pas un podcast, tu te casses la tête. Là. Tu sais, on commence le podcast souvent défoncé. On fait des jokes tout le long. C'est que des jokes absurdes. C'est lourd. C'est rare que le monde l'écoute jusqu'à la fin. Là. C'est ouais, lourd, mais tu sais, un podcast, moi, comment j'écoute ça souvent, c'est comme de la musique. Fait que tu sais, tu pognes des bouts, t'en perds d'autres. Exactement. C'est ça la Exactement. Meilleure manière de le consommer. Ah, on s'entend pas. Tu sais, moi, j'écoute un podcast, c'est très rare que je l'écoute à 100%. Ah ouais? Ouais, puis je suis bien honnête, là. Moi, j'écoute un podcast, j'ai un déficit d'attention. Fait qu'aussitôt qu'il y a. Ouais. Moi, là, en ce moment, j'écouterais ça, je serais parti. Mais là, juste ce monde-là, je vais dire caca. Oh, ils sont revenus. Tu sais, c'est spécial. On va prendre ça comme truc, dire caca, tu sais. Ben, tu le dis à chaque 15 minutes, les TDA sont comme, oh, pelage. Ça pourrait être. C'est le safe word. Oh, shit. C'est quelque chose qu'on pourrait juste patcher dans le mix, puis ça fait juste comme caca, comme piou, 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 piou. Ça serait juste un caca Exactement. Pour ramener le monde. Voilà. Puis, man, j'ai capoté sur sa crowd, puis lui, il est super smart, super ouais. fin, un petit grand cœur comme gars. Puis moi, ses projets m'inspiraient. Là. Je trouvais ça cool ce qu'il fait là, dans la vie. Il va vous en parler plus tôt. Là. Je sais qu'il aime pas ça. Je l'ai parlé avant. Il va vous en parler. Je sais qu'il aime pas ça que je dis ça, là, mais il est vraiment hot, ce gars-là. Puis, c'est non, mais c'est vrai, man. T'es super smart. Puis, Chris, que t'es beau. Mais puis, on avait... on va tout te manger le cul, mon chum. Ouais, ah, ouais, lui, ouais, je me suis rasé avant-hier. Oh! Bingo! Oh, ça faisait longtemps. On a fait, on a fait 7 épisodes. On a reçu MTL, la gang d'MTL Vox Pop, Angelo ouais. Ciraldi, ouais, ouais. Coloc. C'était correct, ce gars-là, que je lui commence à parler normal. Genre. Ah, c'est ça qu'on lui a dit, man. Dis-toi, buzzé, tu nous astis les petits pots de beurre, les yeux fermés. Non, il a juste fait. Je t'aime, Angelo. Ah, Angelo, moi, c'est que j'aime. À chaque fois que je fais un show avec, je le roast tout le temps. Ah, il aime ça. Mais hardcore, là. Moi, je disais que l'autre fois, c'était assez pratique, ses béquilles. Parce que, mettons, qu'il faut qu'il se lève pour aller faire la lumière. Juste pour prendre sa béquille, puis l'éteindre. Moi, j'essaie le temps de lancer un coussin. Là. C'est drôle que tu parles de ça. Le coussin se rabasse plus mais loin. Pour éteindre un feu, par faut exemple. Faut que je me lève pratique. Avec mes jambes fonctionnelles. C'est drôle que tu parles du truc de tirer pour fermer une lumière ou constamment j'ai une béquille à côté de moi pour pas me lever. C'est littéralement une béquille en plus. Tu sais que c'est malade. Il l'oublie chez vous. Mais tu sais, ce qui est fantastique avec Angelo, c'est que il fume pas souvent. Puis on arrive chez lui, puis on monte en haut. Puis il est super sympathique, petite maison, un petit appartement super clean. On jase avec. Ce gars-là, il est quand même. Tu sais, c'est plate qui arrive dans l'industrie de l'humour. Tu sais, il expliquait que c'était difficile de rentrer à l'école de l'humour. Puis, mais il avait gagné en route en plus. Mais ils ont des ascenseurs. Il avait fait un gala. Ils ont des ascenseurs. Oh, ouais. Il fait un gala juste pour eux, puis il va à l'école nationale de l'humour. Je trouve ça un peu absurde. Non, mais il est fort. Il est fort. Mais je pense que l'école l'a vraiment aidé, par exemple. Ouais? Il était puissant avant l'école, ouais. mais juste au niveau de l'écriture, pour pouvoir aller dans d'autres zones, que c'est le joke de casting handicapé, c'est super payant, ouais. mais c'est encore plus payant s'il est capable d'aller ailleurs. Ouais. J'ai vu son 1 minute au 100 humoristes en 5 minutes. Il est arrivé sur stage. Il est arrivé sur scène, mais il a passé tout droit avec sa chaise. Donc là, il est revenu, il restait 30 secondes, il s'est regardé... Les lumières fermées. Ah, c'est la chose la plus drôle. Hey, ça, c'est fucking drôle. Ça, c'est son genre. Ce serait nice qu'Angelo Ciraldi, ça soit genre Jean-Marc Parent tout ce temps-là. T'as juste enlevé le déguisement. C'était pas vraiment handicapé. C'était un personnage. C'était la comédie. Il finit un jeu, mais il se lève et il dit merci. Ouais, c'est juste plus payant pour lui. quand même drôle. Sinon, comment c'est parti, Montréal Vox Pop? Man, Montréal Vox Pop, c'est parti. Avant, ça s'appelait Drunk Vox Pop. On avait parti il y a comme 5 ans, je pense. C'était avec un de mes chums, Daniel Castillo. Puis on avait eu l'idée ensemble, dans le fond, de partir ça, puis tout ça. Puis dû à des. Puis ça marchait instantanément. Là. Le premier vidéo qu'on a fait sur Saint-Laurent, on avait même pas de questions, on avait rien. On est juste allé, puis on a fait comme. On filme le nightlife à Montréal, puis on pose des questions niaiseuses, puis on y va avec ça.
Puis, ben, c'est sûr que c'est dur à croire, mais notre but, c'est pas tendre. On rit pas du monde. C'est, non, non. Moi, honnêtement, quand je suis show tight, mes chums sont show tight. J'ai du fun, ça me fait rire. Moi, je me demandais, vous m'avez interviewé, puis vous m'avez tout pissé dessus. Ah, tout ouais. le monde. Ah, c'était toi, ça? Ouais. Ah, ouais. Mais tu voulais pas dire que t'étais une jeune femme. Ben on là. Tu disais que t'étais une jeune femme. Ben oui, ça, vous me criez, t'es une jeune femme en me pissant dessus. Non, non, ouais, c'est pas vrai. C'est ça, des étrangers. Mais c'est ça, fait qu'on avait parti ça avec Drunk Fox Pop. Puis dû à la faute d'horaire, faute de temps, puis tout ça. Tu sais, lui était bien occupé, puis moi aussi. Puis les temps que j'avais, c'était compliqué. On est juste, je suis parti sur autre chose, sur MTL Vox Pop. Puis moi, comme j'avais écrit à plein de compagnies, plein de trucs pour faire des demandes d'accréditation, en fait. Okay. Puis là, il y avait Alex Martel qui avait répondu, le fondateur du Rockfest. Oui, oui, oui. Puis qui m'a. Comme la deuxième année qu'on avait fait un Rockfest, le premier, on avait eu comme 350 000 vues sur notre vidéo. Ouais. Puis c'était comme, on capotait, là, c'était vraiment nice. Wow. Puis là, fait que ça y a fait bien de la pub. On avait plus de vues que le vidéo officiel du Rockfest. Ah, oh, ouais. Avec. Le gars là, de Musique Plus, je sais pas son nom, Mathieu, Daniel chose, Bélanger. Ah, ouais, ouais, le genre de VJ emo dans le temps. Exact. Ouais. Anyway. Je voulais pas être condescendant. Non, c'est juste... correct. Tu l'as été à ma place. T'étais-tu dans Mixmania? Oui, ouais, c'était, ouais, c'était le black, c'était le black dans Mixmania. fait que c'est ça. Fait que l'année d'après, on avait fait un vidéo Rockfest comme pas de passe, pas rien. Puis grâce à la caméra, on était rentrés. Puis non, ça nous avait rien coûté. Puis on est allé là. Puis on avait fait la vidéo. Puis l'année d'après, j'avais fait une demande d'accréditation média. Puis ils nous l'ont donné. Puis ils nous ont donné comme 3 passes. Donc là, j'étais VIP. Ouais, nice. Pour vrai, c'était épique. Parce que cette année-là, la première année qu'on a eu les passes, le... Ça s'appelle le Artist World, dans le fond. Puis les médias, c'était à la même place, à côté de l'hôtel. Okay. Fait que, man, on prenait le bateau avec les artistes. Ah, ouais? C'est, ouais, oh, ouais. Wow. Le chanteur de Rammstein, Till. Ouais, ouais. Oh, bon, mais à un moment donné, j'embarque dans le bateau. J'embarque dans le bateau avec mon caméraman. Puis, man, il est là, à côté de nous autres. Il chill dans le bateau. Oh, man. Mais défoncé, raide. Oh, ouais, défoncé, sûr. Comme j'ai jamais vu quelqu'un défoncer de même. Il vivait plus, là. En vrai, j'avais goût de prendre son pouls. Puis on est arrivé backstage avec. Puis là, tu le sens même. Puis là, il a monté direct sur le stage, il a commencé son show. Puis c'était une machine de guerre. La foule, je pense. C'était débile. Hey, ben, je sais pas. Clair, je 3, sais 4 pas. Je m'en rappelle qui m'avait dit ça, genre. Oui. C'est... OK, il était sur le côté. Il était sur le côté de la scène. Il y a comme une espèce de miroir. Je pense pas que c'est. Non, je pense pas que c'est Chuck. Oh, mais j'ai une question. C'est pas illégal, ça? Ça, non. Mais ça va être légal au mois d'octobre. Le 17 octobre. Oui. Il va avoir une SAQ, il va en avoir pour du oui, puis après ça, va être pour la coke. Là, tu vas l'avoir brune, jaune, le pium aussi, blanche. La SCQQ. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Grâce au Rockfest, c'est ça qui nous a comme boosté, puis on a continué à en faire. Puis je fais vraiment ça parce que j'aime ça. Moi, ça me fait triper. Parce que, tu sais, là, les Facebook puis les médias sociaux, ils ont changé leurs algorithmes. Puis comme quand tu poses de quoi, t'as plus de reach, plus de fuck all. Nos vidéos de comme 100 000 vues ont tombé à 5000 vues, là. C'est dégueulasse. Faut que tu payes comme 400$ par vidéo pour avoir le même reach que t'avais avant quand tu payais. Parce que c'était plus des vues Facebook que des vues YouTube, dans le fond. C'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, OK. Ouais, mais moi, je trouve ça nice. Tout le monde est comme retombé à mon niveau. Ouais, mais il y en a pour vrai que ça a dû fucker leur carrière. Ben rien, ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a du monde qui était que sur le web. Nous autres, on l'était, mais c'est pas une carrière. On fait ça pour le fun. Mais je pense à Marie-Pierre Morin, par exemple, dans la marde. Mettons, on a des humoristes qui font des vidéos sur Internet puis qui vivent quasiment que de ça pour faire la publicité pour leur show. Ouais. C'est dead, là. C'est... Ou presque. As-tu déjà vu les dernières? Mais il y en a de ça, mais moi, je suis plus de l'école un peu que, tu sais, présente de quoi qui est bon, puis le bouche à l'oreille, il va se faire, là. Je suis peut-être moi qui ai vieux jeu là-dessus. Mais parce que, le web, c'est pas à négliger, on s'entend là-dessus. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, rendu là, tu check un Simon Gouache qui poste rien. Fuck all, là. Ça fait longtemps qu'il est là, ça a pris plus de temps, mais, tu sais, sur scène, c'est un putain de killer, là. Ouais, mais en même temps, c'est parce que même si t'as du bon contenu maintenant, c'est que ça se propulse pas comme ça l'était avant. Ouais, non, t'as raison. Ça fait le tour de ceux qui aiment ta page, puis that's it. Comme je check des vidéos comme Alex Roof, là. Mm-hmm. Man, ces vidéos, tu check les anciennes vidéos qu'il faisait, il y avait des milliers de vues. Mm. Puis là, check ces dernières vidéos qu'il fait, man. Ah, oh, c'est classe, c'est moins bon. Man, c'est chiant, là. Je sais pas, c'est de la merde aussi. Faut être honnête, là. Ben, oui, Alex Roof, c'est une mode, ça. C'est du caca, tu vois. C'est du caca. Ah, on vient de retrouver toutes les autres qui nous avaient quittés. Caca. C'est quoi tu veux dire, Phil?
Tu voulais me dire de quoi? Ah non, c'était pas tant. Non, c'était pas tant. C'était pas pertinent. Non, c'était pas pertinent. Bon. Là, c'était... Mais genre, ouais. À ce point-ci, ça vaut plus rien. Ah, excuse-moi. Parce que, genre, j'essaie juste de comme arrêter de parler les bouts, puis on parle tout en même temps. Ben ouais, fait que là, t'as coupé une belle conversation. J'allais pleurer, là. Je parlais de mon père, là, bientôt. Là, t'as coupé ça. Je suis dans le podcast, j'ai rien compris. Il y avait pas le même père, ces deux-là? Ouais, on avait okay. Le même père. On a le même, mais c'est pas le même. Il parce que ils vous aiment pas pareil. C'est parce que non. Marco est plus vieux, il l'a connu quand il était alcoolique. On le salue d'ailleurs. C'est gros salut que je bois, merci. Salut le pain. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, comment tu t'es infiltré la première année? Genre, c'est du Rockfest? C'est la première fois que je vais compter ça, par contre, je sais pas si... Tu peux pas bouger, pas là. Non, Chris, c'est drôle. On est arrivé là-bas. On est arrivé là-bas. Puis on avait rien, je campais avec des chums. Puis on avait monté une cam. J'avais même pas de Madbox, j'avais pas de viewfinder sur la caméra. Fait que c'était vraiment comme une caméra Canon DSLR. Puis j'avais monté en fake, en carton, genre, puis en shit, une espèce de box partout autour de la caméra qui allait de l'air vraiment immense. Ah, mais c'était legit. C'était legit, là. Sérieux, c'était vraiment bien fait, puis tout. Mais c'était quoi l'idée de l'idée, faire en fait, ça? C'est d'avoir un stock qui a de l'air tellement professionnel qu'on nous laisse rentrer sur le site. C'est moi, j'avais poigné des... J'étais allé avec une de mes chums à Radio-Canada. Un cheval de Troie, c'est carrément ça. J'étais allé avec une de mes chums il y a quelques années à Radio-Can, puis ils nous avaient donné des passes visiteurs. Okay. Je n'avais pas remis, moi, okay. À Radio-Canada. Fait que ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris les passes visiteurs, j'en avais deux. J'ai mis des espèces de cordons après, puis tout ça. Je les ai mis ça dans le cou. Puis j'avais mis un tape dessus où c'était marqué visiteur. J'avais marqué un numéro. Oh. 106 puis 108. Oh, j'ai donné ça à mon caméraman. J'ai pogné ça. Mais... On est allé. on a fait le vox pop sur toute la rue. Oh, puis le monde capotait. Il était comme une caméra. Il venait niaiser. Puis tout. Oh, non. Puis là, on fait Chris, man, on a du pouvoir. C'est la première fois qu'on faisait ça. Fait que là, on s'en va à la sortie du Rockfest où tu peux juste sortir. Tu peux pas rentrer là. Puis il y a un gars de sécurité, man. Man. Je me souviens, il parlait de même. Puis il mesurait genre 5 pieds. Il était comme, ouais, rentrez pas, vous. Il disait ça au monde, genre, qui voulait rentrer par là. Ouais. Puis nous, on a juste commencé à record. Je parlais dans le micro. Un micro avec une boîte en carton autour avec. C'était marqué, je sais pas trop que c'était marqué. Ah oui, comme un vrai micro d'entrevue. Oui. Puis j'ai dit, OK, là, je parlais dans le micro. Puis on l'a enregistré, ça. J'ai dit, OK, là, on fait semblant qu'on parle au micro. Le bouncer, il me regarde pas encore. Puis on recule dans l'entrée. Puis on va voir ce que ça va donner. Puis je continue de dire de la merde de même. Oh, on fait juste nice. Reculer à côté du bandit. Je vois juste, il me regarde, puis il fait comme... Fuck off. Oh, fait qu'on est rentré, man, par la sortie. Ouais. Puis en rentrant par la sortie, on est rentré, on a fait nos trucs, puis tout. Maintenant, on fait la même chose dans le VIP, man. On est rendu backstage. Ah, oh, c'est que c'est drôle. Puis on a une caméra en carton, bon, man. C'est bon, ça. C'était épique. Fait que c'était vraiment cool. Ça a donné de quoi d'épique. Ah, c'est drôle parce que t'as misé sur genre le fait que les bodyguards vont probablement trop être mal à l'aise de t'arrêter. Exact. Puis on faisait comme si c'était live. Quand tu rentres quelque part, puis que t'es confiant, puis t'as l'air d'avoir affaire là, le monde se pose pas de questions. Ça, c'est pas vrai. Le pire, c'est qu'on a le flamingo à Saint-Hyacinthe. Je rentrerai une fois confiant. Ça, c'est mal passé. Ah, c'est drôle. C'est tout. C'est drôle parce que après, tu sais, nous, on avait la confiance dans le tapis. Là. Ouais, on était genre, on peut tout faire. On est les maîtres du Rockfest. Fait qu'on était ressortis. Puis après, on allait devant les stands de bouffe. Puis on faisait des trucs. Puis là, on disait, comme, hey, ça vous tente-tu qu'on affiche votre logo? Puis tout ça, dans le vidéo, pendant qu'on parle, on parlait pas de bouffe. Puis t'es comme, ah ouais, on va vous donner des affaires. Fait qu'on a mangé toute la soirée des poutines, des pilons de dinde for free. Puis c'est plate parce qu'on n'était pas sérieux dans ce temps-là, mais il n'y a rien de ça qui est passé. Ouais, on a juste mangé gratis. C'était hot. Ah, c'est nice. Ah, ben c'est cool. Ouais, c'est cool. Ben gros, moi qu'on soit des fausses caméras, manger gratuit n'importe quand. Je veux dire... Pas juste une grosse boîte de carton. Tu sais, si genre les nouveaux trucs Nintendo, c'est genre... Tu construis tes manettes, tout, tu serais bon en tabarnak là-dedans, là. Tu passes le jeu de même, esti, puis tu trouves des... Tu prends ta manette. Attends, c'est quoi ça? C'est une genre de boîte de carton. Une boîte de carton. Ouais, mais ça, c'est tellement le... C'est tellement le concept le plus BS que j'ai vu en 2018. OK, c'est pas... En 2018, on s'est dit, on va créer un jeu vidéo en carton.
ton tabarnak. Chris, le bon flash, Roger. Ouais, ouais, non, non, ouais, vraiment. Ouais, non. Ouais, c'est... Ouais. Ben, c'est sûr que l'audience qui est visée a comme, je pense, 4-8 ans ou quelque chose de même. Ouais, là, mais tu donnes un saut à un enfant de 4 ans, là. Aujourd'hui. Excuse-moi, là, mais ouais. Ta manette, les pitons sont pas placés à bonne en place. Oui, 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 oui. À bonne en place. C'est le pire, c'est que. À bonne en place. Mais c'est quoi ça en carton, Chris? C'est ça? Mais moi, je pense que moi et lui, on comprend pas. Ben, en fait, Nintendo Nintendo a sorti de. Ben, c'est pour la nouvelle console Switch. Tu peux prendre la manette puis la déconstruire un petit peu avec la Switch. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent. Pour des prix de crise de cave, là. C'est genre 80$ pour... 80$ pour crier « Ah, le chat, il a mangé le joystick! » C'est genre... C'est sûr que je perdrais tous les bouts de la manette dans le sofa. Je serais comme tabarnak, il y a du popcorn puis mon joystick. C'est genre, tu peux monter un clavier en carton, puis il te montre comment monter ta boîte. La console dedans. Peut-être pas la console au complet. Je sais pas exactement comment ça fonctionne à ce niveau-là. C'est là que tu me parles. Mais ça devient un piano que tu peux jouer sur ta télé, genre. Puis, tu sais, les affaires de même... Le gars qui a pensé à ça, probablement qu'il s'est dit « Moi, quand j'étais jeune, j'avais juste besoin d'une boîte de sécheuse pour avoir du fun. » Oui, mais en 2018, le jeune a besoin d'un iPad puis moins d'imagination que toi. Là. J'aimerais savoir le résultat financier de ce projet dégueulasse. Là. Je le sais pas. Hey, c'est aussi payant qu'ouvrir une boutique de cartes Magic. Il faut vraiment être calme. Hein? Mais c'est eux, s'ils sont capables de vendre 180$... Ils sont capables de vendre 180$ un esti de bout de carton. Sérieux, c'est des esti. Ok, parce que c'est le carton là. Nintendo, c'est pas une boîte que t'as chez vous. Ah, non, t'as peu, c'est pas du carton de la marque carton. La marque carton. C'est du carton de la marque Nintendo, fait par Nintendo. Oh, là, oui, c'est du carton spécial. En fait, c'est juste ça. Que c'est des enfants qui ont fait pour monter c'est du carton fait par des enfants qui ont faim. Oui. Bon carton. C'est du carton qui fait de la volonté. Il y a personne qui travaille plus fort que le monde qui ont faim. Dans le fond, l'affaire qui propose avec ça, c'est un bout de carton avec des trucs pour pré-couper. Tu veux, pour pouvoir monter ta patente puis le guide comment la monter puis tout ça. Fait qu'il t'envoie une boîte de carton trouée puis coupée un petit peu puis avec des plans. Puis ils te font payer, c'est 80 ou 90 piastres, une boîte de carton. Tu l'expliques, je me sens violé. Ouais, en fait, c'est soit la meilleure idée du monde ou la pire. Ben, parce que celui qui s'est dit, on va vendre du carton, 80 piastres puis ça marche, pas mal sûr ça a payé. Moi, Mais je pense fort, ça a payé. Mais ce qu'ils finissent à faire avec ça, c'est vendre un jeu qui est développé, mais super, genre basic, qui coûte rien à développer, puis ils vendent avec du carton que les jeunes doivent monter eux-mêmes, puis genre, sérieux, ils vendent le même prix qu'un enfant de 12 ans, 2018, a de la misère à attacher un lacet, Chris! Un petit bout des cartons à monter à 4 ans, Chris! Le pire, c'est que la clientèle visée pour ça, c'est pas le jeune, c'est sa grand-mère. C'est pas fou, ça doit être le parent qui est visé. Le parent qui se rappelle avoir joué. Il veut pas aller jouer dehors, il veut pas faire l'exercice physique, on va lui faire travailler ses doigts. Bonne idée. Mais le pire, c'est qu'il faut plein d'affaires avec ça. Par exemple, j'avais vu une vidéo, c'était, je pense que c'est le gars de Gaboom Film, ou je sais pas trop. Là, genre, qui? Il avait fait une vidéo qui testait, dans le fond, cette affaire-là, puis il pouvait comme faire plein de. Ouais, c'était nice. Il était fâché. Honnêtement, je trouvais ça cool, voir tout ce que tu peux faire avec ça, mais ça n'avait pas l'air le fun. Mais ça doit avoir un côté cool, là, s'ils le vendent. Mais c'est pour des enfants, par exemple. Faut se rappeler que c'est pour des enfants. J'avoue qu'ils vendent des crises de gros dildo aussi, là. Des points, là. Tu peux accrocher sur le mur et qu'ils ne se détachent plus après. Je sais pas. Moi, j'ai une question pour toi, par exemple. C'est toi qui habites ici, right? Ouais, j'habite ici. T'as chié dans tes culottes? Il y a des culottes, dans les poubelles. C'est des poubelles avec des trous dedans. Genre, il y a comme deux trous dedans. C'est ton cadeau? C'est-tu mon cadeau de la semaine passée? Non. Ah, c'est quand même drôle. Je sais que... à quel point il est arrivé une bad luck pour qu'aux toilettes, parce qu'il là, je remets pas ça. Ça m'a fait rire. Ça va te prendre ma douche. J'ai fait Chris, il y avait genre deux petits gros trous dans mes bobettes, genre comment la hauteur de la nuque. C'est moi, il fallait que je le sache. Non, mais c'est drôle. Mais je pensais que tu parlais de ça parce que la semaine passée, j'ai fait un quiz pour la fête à Marco. Puis il y avait une anecdote où Marco se chiait dans les culottes. Puis j'avais décidé de faire genre des bobettes pleines de marde pour genre donner à celui qui gagnerait le quiz. Ah, c'était pensais... ça qui était sale! Ah ouais. J'avais pas compris ce qui était sale. La caméra buggée me semble un peu à ce moment-là. Ben, j'écoute l'audio. Même l'audio buggé à ce moment-là. Okay. Parce que je l'ai donné à Matt, puis moi je pensais que Matt les sortirait, tout le monde le verrait, puis tout le monde comme dirait Chris des bobettes sales, fait que les gens comprendraient, mais Matt a juste fait comme ah, oh, c'est dégueulasse. Puis je suis comme ben là, monte-les, Chris, c'est quoi? C'était du Nutella que t'avais mis dedans? J'avais fait un mélange de. Non, c'était quand même assez. Non, c'était de la merde.
J'ai chié dans ces culottes-là, non? Hey, j'étais de caca! Hey, j'étais le bout dans la salle de bain, c'était humiliant. On vient me ramener les autistes à l'auditoire autiste. Non, TDA, Chris, j'ai mélangé TDA puis autiste. Non, mais Chris, je me suis vraiment trompé de mot. C'est comme le monde qui se trompe entre obésité puis glycémie. Oui, ben je. Ah, mais toi, tu fais les deux. C'est possible. Je sais pas si c'est. Il me reste une semaine, moment. C'est pas. Mais ouais, c'est un mélange de beurre de peanut avec de la sauce aux huîtres. Ah, il était-tu croquant, puis, le beurre de peanut? De la sauce soya. C'était la très fameuse asiatique recette. Comme caca. Oui. C'était très. Ben, je voulais que ça soit brun, mais la consistance du beurre de peanut. Ouais, non, pour vrai, visuellement, ça lookait comme ça, mais ça sentait le beurre de peanut. Genre. Ah, j'ai le cœur facilement levable. C'était ça, j'aurais pu. C'était des vieilles bobettes. Juste l'image. Tu sais, des vieilles bobettes blanches, style Mr. Bean. Je sais pas si c'est... Moi, c'est l'image qui me revient mieux en tête pour des bobettes. Ah, je vois, genre. C'était exactement ces bobettes-là, pleines de marde, puis je trouvais ça parfait. En tout cas, c'est ça. On remercie mon père pour les bobettes qu'il m'a donné. Sinon, Aymeric, quand est-ce que tu as commencé à participer? Dans le fond, j'ai vu que tu as commencé à participer dans les Vox Pop aussi. Ça fait-tu longtemps que... Ah, ça, c'est cool. Moi, je suis content. Moi aussi. Ouais. Puis c'est arrivé comment? Embrassez-vous, par j'ai... exemple. Ouais, non. Non? C'est arrivé? Non, mais moi, non. Sur une joue, mettons. Non, c'est arrivé chez Dallaire. Ah ouais, après, les gosses. Pichette à Dallaire. Ah, ça, c'était épique. Oh, les en fait, la première fois que. Quand j'ai rencontré Gab pour mon Vox Pop, on a fait le. Excuse pour le podcast. On a fait le podcast. On a arrêté de se parler comme deux mots. Je vais parler plus dans le micro. Non, c'est pas grave. Puis après ça, c'était super. C'est pas grave. On a arrêté de se parler comme deux mots. Puis à un moment donné, il m'envoie une petite vidéo de. Hey, tiens, pas un temps, Montréal! J'ai pas compris. C'est quoi, t'as dit? Ah, bah! Je dis ouais, tu sais. Il dit, tu viens-tu à un party à Montréal la soirée? J'ai un chum qui a gagné de la couche. Bon, ouais, moi, venez. Moi, j'avais aimé aller au début. Ouais. Première fois qu'on a. Tu m'avais emmené chez Rémi. Tu mon compte, Chris. Chez Rémi. Chez Rémi? Ouais. Hein? Puis. Il m'a dit, hey, toi, là, ça te tente d'avoir faire le prochain, là, t'interrogeras le monde avec moi. J'ai dit, tabarnak, bonne idée. Puis j'ai co-host avec lui le premier dollar. Ah, c'était épique. Moi, ce qui est arrivé là-bas, on s'est fait inviter une fille qui m'a inbox, qui fait comme, hey, il y a une grosse épluchette chez un punk. J'ai fait, ah non. Non, l'épluchette chez un punk. On s'en va-tu chez Alex Doubel, tu sais, on savait pas. Là. Elle me dit, non, il y a plein de monde qui y vont à chaque année, c'est vraiment malade, il y a des bands, je suis comme, non. Non. Là, elle fait comme, ouais, mais t'as de la bière gratuite. Je fais, OK, on y va. Fait que là, on arrive, puis elle nous avait réservé une belle place pour l'autobus d'un tel Vox Pop. J'ai plugué mon autobus. On arrive là-bas, puis tout ça. Puis pour vrai, c'était épique. Il y avait comme, c'était que des punks, que du monde fucking sa brosse. Moi, j'ai peur de ces gens-là. Non, mais moi aussi. Pour vrai, il était cool. Puis on arrive, puis ils nous font, la fille, elle nous dit comme, voulez-vous des coupons pour la soupe? Là, on la punch dans la gorge, t'es qui te colle? fait que là, comme de la soupe, on est genre, what the fuck, de la soupe? Puis il y avait de la. Je dirais pas c'est quoi, mais il y a de la soupe spéciale. Il y avait du moche dedans, genre? Je sais pas. On peut, mais en tout cas. Oh. fait que c'est ça, il y avait de la soupe, fait que tu pouvais manger de la soupe, pis ça. Puis moi, j'étais comme, ah non, finalement, j'en prends pas, non, j'ai une job, pis ça. Mais finalement, on m'a expliqué quoi, le moche, c'était pas. C'est pas une drogue. C'est pas mais tu as-tu vraiment dit non, je prendrais pas de drogue, moi j'ai un travail. Au début, ouais. Non, mais c'est parce que j'ai des tests d'urine à la job, c'est pour ça. Puis après, il y a un gars qui m'a dit non, non, mais ça c'est legit, même si t'as des tests d'urine. Ouais, fait que moi, je me suis fié à lui. J'ai fait comme ça. Le gars avec les cheveux jaunes qui a de l'écume sur le bord de la gueule. Fait que là, un spécialiste. Là, on part, puis on sait. Tu veux triper ces autochtones. On sait que les deux, on va faire le Vox Pop, puis tout ça. Puis on est comme, on va laisser la soirée aller, puis le monde, quand on va être un peu plus défoncé, on ira. Boire un peu de soupe, boire de la bière, un peu de soupe, un autre soupe. Moi, j'avais calissement peur de boire de la soupe. Lui, j'avais jamais pris de soupe. Ah ouais. Fait qu'il est arrivé à peu près 11h, puis moi, je dis, OK, on part ça. Puis j'ai pas été capable. Ah ouais? J'ai animé presque tout le Vox Pop parce que j'étais en bobette, dans la bouette, avec un chien attaché. Puis j'étais genre, mais pourquoi il est attaché? À un moment donné, attends, cette anecdote-là commence bien plus funny que ça. Ben, je m'en rappelle pas. Moi, oui. Estime-moi, oui. Je suis traumatisé. Gros, fait deux semaines, je fais des cauchemars. Essayez de donner de la soupe au chien. Non, pire que ça. Écoute bien. Moi, j'ai pris deux bons verres de soupe. Je commençais à être funny, tu sais, je suis daltonien sur le moche, je bat trip, comprends-tu? Elle dit pas combien.
Non, non. Tu peux le dire. Ben, alors, mais t'sais, anyway. Anyway, j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter après 20. Mais si tu dis, dis-le pas combien. C'est clairement pas deux, tu sais. Non, non, dis-le pas combien, là. Mais dis-moi, je sais bien que ça va. C'est pas une drogue. Mais c'est ça, c'est legit. Non, 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 je sais, mais ce qui s'est dit, lui, c'est que. Non, ça reste longtemps dans le sens. J'ai bu une soupe, puis j'ai pas bossé. M'en prendre un autre. J'en ai pris après 11. Après ça, après la deuxième, c'est crasse. J'ai pris 11 soupes. Je sens pas le bon. Ah, j'étais d'un autre pays. Ça va mettre la table, l'anecdote que je vais compter. Il a pris 11 fucking soupes. Là. Tu comprends qu'il est rendu sur Pluton. Là, lui, ouais, là, ouais, là. Ouais, je comprends ça. Il n'y a pas de trace de 25 cents. Un moment donné, je trouve plus le caméraman. Je trouve plus le co-host. Pis moi, j'étais seul table à pique-nique. Mais le co-host, c'est toi. Non, ben, je trouve plus le je me trouve plus. Je trouve plus Gab, le gros. Pis j'étais seul une table à pique-nique avec une soupe, pis j'attends. Pis à un moment donné, je crisse. Je pensais pas qu'on allait quand aller tu fais là. Rien, tu te mets à repenser à pourquoi t'es ici. Pis là, tu te dis, Chris, on a un vox pop à faire. Tu fais que là, j'y cherche. Et à un moment donné, j'entends juste. Je suis là, OK, c'est une crise de folle qui se fait fourrer. Mais là, je continue à avancer, puis c'était derrière l'autobus, il y avait un petit chien attaché à un papy. Il était attaché. Et là, je vois Gab, qui est à quatre pattes avec le chien. Ben oui! Ben oui! Ah. Ben oui! Et là, moi, je suis là, OK, il y a Gab, tout ça, je continue à avancer, puis il y a son, il y a notre chum qui est en avant de lui qui dit, ah, c'est qui est ton chien là? Puis là, il flatte le chien. Le chien, il comprend-tu? C'est une crise de belle soirée phonée. Là. Lui, c'est il... juste le classique, genre, hey. Même le chien, il est malade. Hey. Non, mais j'ai jamais autant ri de ma calice de vie. Mais ce qu'il dit pas, c'est que j'étais comme, j'étais en bobette, man. Ah, pour vrai? Ah, j'ai aucune idée pourquoi. Ben, moi, je sais pourquoi. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo qu'il y a qui montrera pas. Là. Pour vrai, tu sais, je suis gras. Là. Puis je suis placé dans une position qu'on dirait vraiment que je suis le bonhomme Michelin, man. J'ai que des plis sur mon corps. Je sais pas comment c'est arrivé. Ah, c'est dégueulasse. C'est tellement humiliant. On a notre caméraman, il prend un verre de soupe à un moment donné. Charlotte Araf. Charlotte Araf. Il prend un verre de soupe. Puis c'était le gars, il a quand même très bien fait la recette. C'était des légumes. Tout. T'es-tu bon ou quoi? C'était oui, pas, c'était oui. Bon, man. Pour vrai, c'était débile. Des champignons. Mais il y a un hic. Ça goûtait quoi? Non, mais normalement, ouais, si je mange straight. C'est, ouais, c'est non, non, c'est vraiment. Le bon. Truc, c'est ouais, une soupe Lipton. Ouais, à ce temps, on le sait. Là. Ben, en fait, c'était, ouais. Wow, c'était plus que ça. Là, c'est aux légumes comme ma grand-mère ouais. Faisait. Ah, ouais, tu sais, ouais, ma grand-mère. Oh, ben oui, ta grand-mère, oui. Comment qu'elle va d'ailleurs? Bernard. Comment elle s'appelle? Elle est sèche. Elle fait longtemps qu'elle est séchée. C'est quoi son nom déjà? Hélène. Hélène. Oui, Hélène. On la salue, hein. Ben, salut à Hélène. Altan. Altan, Nestie. Alors, là, il y a notre caméraman avec le verre de soupe. Il boit, il cale. Lui, il cale. Puis à un moment donné, il rentre à la fin. Puis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une gomme dedans. On réalise que c'est pas une gomme, si c'était du moche qu'il mangeait okay, de okay, okay. Oh, non. Ah, il mangeait toute la moche. Il avait une gomme. 15 minutes après, il était devant la scène, il était deux, puis il faisait ça. Ah, c'est sûr. Surtout, en plus, vu que ça infuse dans le liquide, genre, j'imagine que ton corps l'absorbe plus vite. Ouais, ouais, mais c'était cool. Mais ça bosse ouais. Différemment, ouais, apparemment, quand tu le mets dans. Quand ouais. Tu le fais infuser. Moi, j'ai tout le temps mangé. J'ai une recette. Ouais. Ouais. J'ai essayé dernièrement de. On faisait des tisanes, dans le fond, mais ça fait un bout, ça doit faire 2-3 ans de ça, genre. Ma blonde, dans le fond, s'est fait enlever dans sa geste, puis là, on voulait faire du moche. Puis là, elle pouvait comme oui. Pas. Elle pouvait pas le manger. Dans plaisir. Mais si ça, elle pouvait pas le manger. Mais c'est comme la pire idée de faire du moche quand tu viens de te faire enlever. Ouais, ouais. Le pire, c'est que si ouais. Tu as le malheur de te regarder dans le miroir pis t'as l'air d'un écureuil sur le moche. Ouais, là, c'est clair. Avec les grosses ouais. Joues enflées, là. Elle était défoncée. Je pense que c'est la première fois qu'elle faisait du moche en plus. Ah, en tout cas, mais genre, finalement, on l'a fait en tisane. Fait que, ben, c'est elle qui le faisait en tisane, dans le fond, vu qu'elle pouvait pas le mâcher, puis sinon, ça aurait pas eu dans la plaie. Puis genre, ça prenait fucking pas de temps, c'est juste ça prenait plus de moche pour être gelé. Genre. Oh. Ok. Ouais, puis à la fin de la soirée, on était juste trop large pour le manger, fait qu'on le faisait en tisane. Genre. Ah, c'est ah cool. Mais ouais. C'est le fun, du moche. Pour vrai, ouais. La soirée qu'on a fait ça, c'était vraiment le fun. Puis à peu près 2 heures après son 11e verre, il était dans une piscine à boîte à jouer au volleyball. C'est hot. Pour vrai, là, chez Dallaire, là, l'année prochaine, allez-y. Pour vrai, ouais. C'est débile. Un mini rockfest. Ouais, ah, pour oui? Vrai, c'est vraiment cool. Okay, ouais. Mais c'est genre ouvert au public. Ouais, là, ouais, n'importe chez ouais, Dallaire, ouais. Je le connais pas. Ouais, ouais, mais c'est moi, non, ben, je le connais, j'ai vu une fois. Okay. Mais hey, écoute, on arrive là, il y avait un gros terrain de volleyball, vraiment des bonnes grosseurs. En boîte raide, avec de la grosse boîte. Il y a eu de l'eau toute la journée. Avec un ring en gros. Ils ont fait le contour avec des bottes de foin. Ouais. Okay. Il y avait une piscine dans la boîte d'un pick-up. Mais là, je vous vois, là, vous avez l'air surpris. Vous avez calissement pas regardé la vidéo. Hein?
Il n'y a plus de reach. Non, je n'ai pas regardé le vidéo. C'est pas grave. Je vais aller l'écouter tantôt, par exemple. Allez checker vidéo. Allez pas le checker, c'est de la merde. Mais c'est vrai que c'est de la merde, mais c'est de la bonne merde. Moi, cette vidéo-là, je m'en. Tu nous vois au début, on est comme. Ouais, jeune. Bon, on n'est pas sur le moche. Puis à la fin, tu nous vois sur le moche. Puis, man, j'ai le toupette mouillé. Puis je pose des questions de neige. Vous, vous êtes le cuisinier. Mais tu sais, là, lui, il passe sa belle dingue dans la gueule. Il me dit, c'est-tu bon ton hot dog? Je dis, je suis content d'avoir des vacances. Je m'en souviens même pas. Puis on le voit s'en aller dans le néant. Ça ferait une bonne pub de la fleur. C'est-tu bon ton hot dog? Content d'avoir des vacances. Mais pendant qu'il dit ça, ça coule, le je suis content de la voix des vacances. C'est comme bon, c'est l'arroseur arrosé en même temps. Ouais, mais ça vire souvent de même. C'est drôle. Les soirées terminent tôt des fois. Ça, c'est une crise de ouais. Ben, ça a été le premier que j'ai fait avec lui. Ouais. Puis là, on vient d'en sortir un nouveau récemment spécial politique, élection 2018. Ouais. Avec... Okay, on a eu plus de troubles sur celle-là. On a eu bien du trouble. Ben, c'est parce qu'on avait. Tu sais, j'ai pris un caméraman, Sam. Sam, le gars qui fait le podcast avec lui, il savait pas vraiment comment Samuel ça marchait. Vient. On a tout fait vite. Fait que le son et l'image est moyenne. Mais c'est pas grave, merci, pareil. Ben, l'essentiel, c'est là déjà aussi, c'est bien, mais je comprends qu'il y a un souci aussi. Parce que c'est ainsi que les événements, ils courent pas les rues, tu sais. Puis quand on trouve des. Ou bien on se mène pour faire des affaires avec nos horaires et tout, c'est souvent dernière minute. Fait que, tu sais, on a tout fait le setting technologique. On a fait le setting électronique sur Saint-Laurent, tu sais. Sur son route de char, puis. L'ordi ouvert, entre deux incinérants, puis une madame qui pisse derrière une poubelle. Dans vos missiles, derrière. Ben, tu disais que tu recevais souvent pas des menaces, mais genre du monde qui voulait t'actionner. Non, fuck, ouais. Ben, dirais que. Parce qu'avant, par événement, je faisais 3 vidéos, à peu près. OK. Puis il y a tout le temps un des 3 vidéos que je reçois une lettre d'avocat ou whatever, un message. Tu sais, ça commence tout le temps. Ben, tu sais, le meilleur exemple, mettons, là, j'ai 2 exemples. Il y en a une qui a marché, puis il y en a une qui n'a pas marché. Une fois, j'étais au Gay Pride à Montréal. Okay. J'avais fait une entrevue avec une fille, une super belle fille, nouvellement fille. Elle était Jessica, son nom. C'était une trans, en fait. Oui, Jessica. Ouais. C'est la seule nouvellement fille. Hein. Ouais, nouvellement fille, okay. Ouais. Mais moi, je suis vrai, nouvellement gars. La fille était vraiment plus belle que beaucoup de filles. C'est pas de la vraie barbe, ça. Puis, anyway, fait que j'apprends l'entrevue, puis les deux, on est un peu chaud, fait qu'on rit, puis tu sais, on y aise. Ouais. fait que finalement, on fait l'entrevue, puis tout. Pis moi, je fais comme. Tu sais, à la fin, on déconne un peu. Je fais, ça fait combien de temps que t'as ton vagin, genre? Puis là, elle dit que c'est un nouveau vagin, puis tout ça. Tu sais, c'est drôle, mais c'est pas. Il y a pas de manque de respect, parce je manque jamais de respect au monde. J'aime pas ça me faire manquer de respect. Fait que, rose pas. Fait que c'est ça. Puis finalement, je l'ai mis sur Internet, puis c'était cool avec elle, puis tout ça. Ouais. Mais plus les choses allaient. Le monde est mean, man, sur Internet. Est comme, OK, c'est pas elle qui t'a poursuivi. Là. Non, ben attends, c'est ça. Okay. Les commentaires étaient vraiment méchants. Puis le monde était comme, check, là, c'est un gros cave, tu sais. Des conneries de même. Toi, ça? Non, pour elle. OK. Ouais, anyway. Elle, c'est un gros cave, comprends-tu? C'est ça, tu sais, il faisait des jokes transphobes. Ouais, je suis sûr que... Puis, man... La vidéo, il a pris une ampleur incroyable. Là. J'avais des centaines de milliers de likes dessus. Ah, ouais, mais pas de likes de vues. Puis finalement, elle a revu le vidéo. Il est repassé dans son feed à elle. Puis elle a vu les commentaires. Puis elle était comme. Là, elle m'a écrit tout de suite. Elle faisait des crises d'angoisse. Puis elle était comme. Écoute, je veux pas être obligé de faire appel à un avocat. Puis tout. Je file pas depuis. Puis j'ai fait comme. Ah non, pas de stress. Je vais l'ôter. Je pensais pas que ça allait prendre ce tournure-là. Mm-hmm. Je l'ai ôté tout de suite. Tandis qu'un autre, mettons Rockfest, un autre exemple, à un moment donné, un gars qui me parle, il est complètement parti, puis je fais comme, man, t'as l'air de Frodon. Puis là, j'avais mis une image, une vidéo de genre Frodon qui disait Gandalf, avec les yeux qui louchent. Puis le gars, il a pas aimé ça. Lui, straight up, m'a envoyé un message suivi d'une lettre d'avocat, puis tout ça. Puis il avait signé le release. Là. Oh, ouais. Puis, dû à ça, j'ai dit, tu sais quoi, fuck you, man. Poursuis-moi. Ouais, c'est ça. Poursuis-moi, je l'aute pas le vidéo. Dis non, fuck you. Mais c'est surtout avec cette approche-là. Mais ouais, dans le cas de la file, tu m'avais dit écoute, je passe pas bien, whatever. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être enlevé, mais là, c'était tout de suite une menace et tout. Non, puis garde, ça prend 3 lettres avant d'avoir une poursuite. Je suis nouvellement obligé. 3 lettres avant une poursuite. Ouais, ben c'est 3 lettres en fait. C'est une lettre qui te dit qu'il est pas d'accord, qu'il veut que tu l'enlèves. Une lettre qui te menace qu'il va te poursuivre. Puis une poursuite. Ouais. C'est souvent en 3 le chiffre magique pour ce genre de truc-là. On dirait que tout le monde se base sur le baseball pour faire les. Avant, le no means no, c'était ça la règle de 3. C'était tu veux-tu, non?
C'est trois fois non. Non, ben ok, oui, c'est ben bon. Oui. Ah ouais, c'est arrêté. J'avais José avec un avocat. Mais qu'est-ce qu'on est absurde au Québec de voir que, mettons, rire, genre, avec un peu de quelqu'un, c'est perçu négatif. Ouais. Ouais. C'est mettons que tu fais quoi de cave, puis je punch dessus. C'est pas méchant, hein, juste non, ça m'a fait rire, puis je punch. C'est ça, déconne. Exact, là, tu sais, on y est. Moi, je suis le premier à rire de moi-même. Ben ouais, ben il premier à rire de moi aussi. Non, non, mais c'est vrai. C'est très on vrai. Vient de prendre une tournure plus... la prochaine demi-heure, je veux qu'on la fasse dans la silence. Oh, il y a juste un roi qui s'en vient. Alors moi, j'ai été insulté souvent. Par moi. Par moi. Souvent, je fais des choses connes, puis je me relance. C'est le petit cœur. Ah oui, oui, oui. Ah, mais j'allais dire qu'il y en avait plus. Je me suis déjà pissé dessus, moi. Toi, toi là, soit tu te fais pisser dessus ou tu pisses sur le monde. Ça parle de Golden. Non? C'est récurrent dans ma vie. Ça, ça serait dû prendre un Golden shower. Ben, peut-être, peut-être, peut-être. Oui, je pense que oui. L'autre fois, il m'a demandé de pisser ses gosses. Hey, ta gueule, l'asti, là. Reviens-en de cette histoire-là. Je me crossais. J'avais besoin d'un encouragement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ben, tu sais, j'avais jasé avec un avocat, puis ça a l'air que, genre, aussitôt que j'ai demandé, mettons, c'est sûr une mise en demeure, genre, ça veut-tu dire de quoi? Il fait non, tu t'en calises, ouais. Ça, genre, pour ouais. Vrai, ouais, là, ouais. Ça va, ouais. Genre, quasiment jamais plus loin que ça. Moi, j'y vais vraiment avec le respect. Là. Si tu me respectes, je te respecte, puis si tu me dis que la vidéo, parce qu'il faut penser quoi, que. C'est ça, je vais l'ôter. Tu sais, des mises en demeure, il y en a beaucoup. Ouais, puis ça coûte de l'argent, des mises en demeure, là. Mais c'est sûr, surtout que quand tu déménages. De l'heure, là, un avocat, c'est cher en Christ, là. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est... Moi, les lettres que j'ai reçues étaient différentes en esti, là. Je me dis, c'est sûrement comme... Ah! Moi, je suis avocat! C'est mon oncle, genre. On va te faire ça! Ouais. J'ai vraiment l'impression, parce que la dernière lettre que j'ai eue, c'était qui, donc? Ah, ouais, non. Ça, mais le format, c'est pas... Mais la dernière lettre que j'ai reçue, il y avait des fautes. Okay. Il y avait des fautes. Ben là. J'étais comme, man, c'est zéro professionnel. Voilà, il s'est fait une mise en demeure. Lui-même, là. Sûrement qu'il a marqué mise en demeure... Sheet sur Google. Là. Ouais, ouais. Ben, sûrement que tu peux faire ça, I guess. Mais ouais, ouais. Sûrement. Ben, si t'es prêt à t'auto-défendre en cours. Hey, whatever, on est rendu loin, là. Ouais, ouais, ouais. Ben non, c'est intéressant. Non, caca. Non, c'est intéressant. Ok, on est retourné dans le. C'est beau. Ah oui, ah oui, caca. On dans le concret. Whoop. C'est bon. Okay. On vient d'enregistrer. J'ai voyé ça en aller. Tu parles. Là, on essaie de les phoner. Ça vous tente pas de parler de marde, les gars? Calisse. Il faudrait que le monde nous appelle. Vous êtes fous de chier les culottes. On prend le premier appel. On avait trouvé la manière de l'avoir, en fait. Mais c'était pas moi qui étais au son. C'est juste un input, non? Ben oui, oui, c'est. Mais. Peut-être du monde qui appelle. Bonsoir! J'ai un iPhone, v'là une couple de mois, puis je suis comme, Chris, j'ai plus acheté de CD. Mais moi, c'est moment, là que je suis, moi. En ce moment, je viens de recevoir un message vocal de mon collègue Samuel Vien. J'ai aucunement idée c'est quoi, puis j'ai le goût de le faire jouer. Ah, ben vas-y. Allons-y. C'est excitant, je sais pas. Mais souvent, c'est des gags qui m'envoient. C'est drôle, ça commence des fleurs. J'ai fait une connerie, là. Là, on va découvrir. Mon trip négatif de bipolarité. On va découvrir que tu. Là, j'ai peur. Je suis stressé. Ah, on peut-tu couper? Seul. On peut-tu couper? Non, non, tu demandes pas. Non, y a pas non, non, on coupe à rien, tabarnak. Ouais, j'ai pensé à quoi, Aymeric? Ça serait une fiction humoristique. En fait, c'est un gars qui a une business, puis il fait faillite. Puis il s'en va vivre chez son papier, puis il travaille dans l'huile. Puis ça serait 12 heures. Puis tout filmé avec des cellulaires Nokia à flip. Ah, c'est drôle parce que il a raconté la vie d'Emeric. Oh, alors, Samuel, c'est drôle, me regardes. C'est drôle, ça. Je voulais rien que te dire que salut. Tout filmé avec des cellulaires à flip. C'est malade. C'est drôle en sac. C'est quand même punché comme message. Ouais, ouais, ouais. Souvent, il me texte des affaires dans le même. Là, ta vie, c'est de la merde. Je l'ai déjà vu, Samuel. Viens, c'est où que je l'ai vu, par exemple? C'est un humoriste, right? Non. Samuel Vien, ben, il commence. Il va à l'école d'humour. Chris, ouais, je l'ai entendu son nom, en tout cas. On le salue. Salut. 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 Merci. Salut. Merci pour le message. Ça nous fait du contenu. Sinon, tu parlais de ton boss, surtout que tu t'as acheté. C'est, dans le fond, c'était quoi la. Oui, c'est la quoi? Raison, ouais, je voulais te le demander. Ça va vite. Ouais, ben, j'ai tout le temps. Moi, je voyage. J'adore ça, voyager. Puis j'en mange. Fait que je voulais comme me faire une petite maison sur roue. Puis ouais, j'ai acheté un mini-boss scolaire. Mm-hmm. Puis, ceux pour les handicapés ont été. Non, non, c'était... non. Comme les. C'était... Ben ouais. Comme dans la cloche et l'idiot, ben, genre le genre de reboot. Non, là. Oui. Cette cloche est très. Ça, exactement. Non, pas c'est, si comme, c'est comme un plus petit autobus. C'est genre un mini-autobus. Pour ben, une c'est ça, le principe clientèle de très simple. Un autobus magique.
Mais oui, ouais, ben oui, elle a des, oui, il y a des ailes. Tu peux aller dans l'océan, calice, ton boss. Elle serait petite, elle grossit. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu plus peur. Avec MTL Vox Pop aussi, ce qui arrivait, c'est qu'à chaque événement qui était un peu loin, là, il fallait payer une chambre de motel ou pas d'hôtel, j'ai pas cet argent-là. Ouais. Puis, l'argent, on le met dans le gaz. C'est qu'on peut, ouais, je paye la bouffe pour les gars, j'essaye de payer le plus de trucs. Ouais. J'étais comme, c'est rentable, ça coûte cher. C'est zéro rentable. C'est zéro rentable. Tu fais pas l'argent avec ça, puis tu payes pour tout le monde. Fuck all, ouais. C'est exactement ce qui se passe. C'est ça aussi le problème présentement qu'on tente de résoudre aussi. Là, la seule façon de résoudre ça, c'est tout le monde aussi. Monétiser, c'est comme le mot en ce moment qu'on entend le plus. C'est monétiser. Mais en fait, non. Puis après ça, t'as quelqu'un qui pas faire des chandails! Ouais, mais on dit ça. On dit ça, mais j'ai jamais vraiment essayé de monétiser. Mais est-ce que vous avez un Patreon? Ben, c'est pas. Ben, c'est ça, on travaille là-dessus. C'est on le va fun sur... que tu parles de que... ça. Le Stoner Show Patreon. J'en ai créé un Patreon il y a une semaine. Ouais. Mais il n'y a rien dessus encore. Là, okay. Mais on va faire des vidéos spéciales juste pour le Patreon. Puis je vais mettre toutes les vidéos de poursuite que j'ai eues. Ah, moi, toutes les coller là-dessus. Fait que si vous voulez me poursuivre, ben, payez avant. Ah non, voir. Non, ça c'est hot, ça. Fait que, ouais. Faut tout mettre les inédits. Ton enregistrement de comment t'es rentré au Rockfest, ça peut être payant aussi. Ce sera juste pour tes membres Patreon. Ouais, ben c'est ça, ouais, c'est ça. Je vais essayer de mettre du stock qu'on a pas. J'aimerais ça, j'aurais aimé ça. Tu sais, juste la manière que t'as réussi à rentrer au Rockfest. J'aimerais ça te voir, mais je sais pas du tout, c'est quelque chose qui t'intéresse de faire, mais on dirait que genre quand tu m'as dit ça, j'étais comme, OK, comment il a fait ça? Ouais. C'est quoi, comment il a fait pour arriver à rentrer? Ben, j'ai l'impression que ça pourrait quasiment donner une vidéo en soi, juste, OK, on essaie de rentrer à telle place. Ouais, il y a quoi de... Là, l'année d'après, t'as plein de monde avec des fausses caméras. OK, c'est plus ça, puis il faut y tester le matériel. C'est du carton, ça, t'as parlé? Il recule en dansant. Si Alex Martel, il vend le Rockfest... je vais le mettre, mais pas avant. Ça serait chiant un peu. Me donner des passes à toutes les années, Clair, mon sale, je suis rentré. Ah, mais c'est vrai, je pourrais aller sur un autre événement. Je veux dire, ouais, mais si on pourrait faire des vidéos d'entrée de même, je sais qu'il y en a qui font ça. Les pichettes à dollars, c'était 5$. On a rentré sans payer. On s'est fait faire. Ouais, mais pour garder une bonne entente avec les festivals, probablement que c'est comme pas malade. Même PMTL Vox Pop, c'est la chose, je pense, la plus mal vue pour les festivals. C'est rare qu'on se fait dire oui, venez. Ben, c'est pas grave, vous avez des moustaches. Non, on veut pas être identifié à vous autres. Ah, ouais, c'est quoi l'événement qu'on avait essayé d'aller faire? C'était-tu. Le VMTL, je suis barré. Ah, ouais. Le VMTL, il va rien savoir. Ah, mais l'autre qu'on voulait faire, Oshelaga? Il Sonic, Oshelaga. Ça a tout foutu. Ça a tout pas marché. Mais ça doit être les mêmes organisateurs, oui, j'imagine. Evenco, c'est quoi? Ouais, je pense que c'est Evenco. Il y avait le tournoi de pétanque dans le lac Saint-Jean. On a rentré, ça s'est super bien passé. Vous êtes allé? De reculons, le monde nous regardait. On avait nos étiquettes. De reculons, les caméras. On a rentré par la sortie. Roger qui faisait les attentes, ses mains, il en revenait. Il faisait juste crier « Sont là! Sont là! » Ben oui, ils sont là. Oh, man. Ça vous prendrait des bomber jackets marqués Vox Pop Montréal en arrière, genre, puis c'est comme « OK, on danse comme Grease. Ouais. » Ben, c'est ça. L'autobus, dans le fond, c'est juste pour coucher. Mais là, je fais ma diva depuis un an. Là, c'est moi qui couche dedans. Là, c'est pour se rendre tout en même temps, en même place. J'ai fait une sieste en s'en allant à Saint-André-d'Argenteuil ou... Saint-André d'Argenteuil. C'est là la pichette à dollars. Ah, dans l'autobus? Ouais. Super confort, man. Tu roules les fenêtres. Ah, c'est nice. Il y a tout le frigo plein de bière, lavabo, le lit, sofa, internet illimité, la TV, tout un certain. Tu gagnes petit dans ton bus. Ben, on est parti en mars, on est allé au Spring Break. Oui. À Panama City, en Floride. C'est dégueulasse. Ah ouais? Honnêtement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu sais, dans les films, fait comme ça a l'air fou, mais c'est sûr, c'est pas de même. Mais non, c'est pire que ça. Ah ouais? La culture du viol, ça existe pas là-bas. Là. Ah ouais, les filles sont littéralement sur stage, en train de se shake le cul pour montrer le sein, puis les gars les touchent. Ah, c'est dégueulasse. Les gars les touchent. C'est dégueulasse. Comme, moi, j'avais le goût de les défendre, je suis comme non, ils trippent. Ouais, dégueulasse. Papa, tu justement, on avait fait une vidéo là-bas, un Vox Pop là-bas, ça a mal tourné. Ah, oh, c'était dégueulasse. T'as-tu punché une fille? Non. Hey, arrête du tremble, puis il fasse la fille en accident, En fait, on était supposé d'aller faire un Vox Pop au Spring Break, mais je me suis trop décalissé la face. J'ai fini comme backstage, sur stage, habillé en borat, avec mes couilles qui sortent. Oh, OK, le sous t'en veux? Ouais. Je dansais avec les filles sur stage. Ah, c'est-tu que c'est malade? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est drôle. On a un bout de vidéo de même. Ah, c'est sinon, on a fait un Vox Pop en Nouvelle-Orléans, en Louisiane.
C'est quand même pas peur que cool, tu dises eux là-bas sont dégueulasses. Puis toi, t'arrives là-bas en borate avec tes goûts. Mais t'as profité de la situation. Mais je touchais à personne. Au moins. Je touchais à personne. C'est ça qui a juste le chaf. Puis t'as deux gosses qui dépassent chaque bord. Faut tout le temps se mettre des boxeurs. C'est grossière indécence. Mais hey, c'est drôle parce que à la Gay Pride il y a 2 ans, j'étais allé faire l'interview avec justement mon costume de borate. Puis je dansais dans Gay Pride. Pendant qu'il me filmait. Ouais. Puis là, il y a un policier qui est venu me voir, puis il fait comme, non, man, tu vas te changer. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? Puis j'avais comme, au moment où il me parlait, ma couille sortait. Oh, non! Puis il dit, si tu veux pas, je t'arrête pour grossière indécence. Non, c'était même pas ça, c'était, en tout cas, quelque chose en voie publique. Il dit, tu vas te changer. Fait que j'allais me mettre des boxers, puis je l'avais remis. Fait que c'était legit. Okay. Mais ouais, mais mes testicules qui ont tendance à sortir. C'est fun que tu dises ça. Moi, j'ai même pas besoin de mettre de barate pour que mes couilles sortent. C'est rare que je mette des culottes lourdes. T'as des gosses longues. Ah ouais, des longues couilles. Tu sais, quand tu dis quelqu'un qui a des longues couilles, tu le vois souvent, ça sent. Ouais. Je comprends ça, oui. J'ai des longues couilles. Tu sais que ça me fait rire. Non, mais t'as jamais, genre, pris la peau de tes couilles et mis ta main là-dedans? Ouais, je fais une face avec ça, je fais Phil Collins. Moi, souvent, je me fais le mythe. Souvent, je joue avec mon neveu. Coucou! Hey, on va jouer au grand brûlé, s'il est dans ta peau. On va jouer au grand brûlé. Excusez. On va jouer au grand brûlé. C'est drôle en tabarnak. Ouais, mais tu sais, les grands brûlés, on dirait qu'ils ont de la peau de couille. Oh oui! Il y a juste deux petits trous, c'est lui, Jérémy Gabriel, pour en regarder. Ah, man, ça doit être la pire affaire. Shout out aux gens brûlés. J'aimerais ça voir le grand brûlé qui se réveille à l'hôpital parce que, oh, on a réussi à réparer ton visage. Mais t'es plus du crotum. All right, merci. Puis ils mettent le miroir devant. Il fait comme. Ah, tabarnak. C'est triste. Ils peuvent laisser mourir. C'est plate pour non, eux. Mais c'est pour c'est ça qu'à l'hôpital, ils mettent des bandes puis ils sont sûrs que t'es gardes jusque chez vous. Pour pas que tu donnes la merde à personne. Parce qu'ils veulent pas. Oh, wow, ils veulent pas dealer avec. Je suis pas surprise, mon chum. Ils veulent comme, non, on va pas que tu les enlèves. Ôte pas les bandes. C'est précis. C'est précisément le temps que ça te prend de rendre d'ici à chez vous que ça prend guérir. Avant de les enlever. Là. Moi, je veux absolument que la personne qui t'enlève ton bandage pleure. Je veux que t'aies absolument aucun soutien quand cet événement arrive dans ta vie. Papa, il est revenu de l'hôpital. C'est qui, papa? Oh, man. Ça va. Je pense qu'on n'avait jamais bâché ses grands brûlés. Non, mais c'est la première fois, mon Dieu. C'est ma faute. Fuck, les grands brûlés. Je passionne beaucoup. En faisant des jokes de même, notre risque, par exemple, qu'on a, c'est que quelqu'un fasse comme, mettons, une joke raciste qui est plus pour rire des racistes qu'autre chose. Genre. Ah, mais moi, je pense que c'est wrong, man. Le dernier épisode, calisse que j'ai ri. C'était comme, vous accusiez du monde d'être raciste, puis vous en profitiez pour faire comme, faut pas dire ça. Ah non, c'était sur les noirs, puis là, Justin, je fais comme moi, mais tu sais, genre, t'es engagé pas ou quelque chose de même. Genre. Ah, man, ils sont paresseux, j'entends ça, ouais, ça, c'est moi. J'ai entendu qu'il n'y avait pas assez d'heures d'une journée parce qu'il fallait qu'il dorme toute la journée. Il fallait. C'était en fait, la joke, c'est c'était. Juste des jokes. La joke, c'était. Genre, tu sais, pour parler des gens qui disent que les Noirs sont responsables de la majorité des crimes. Ils sont pas responsables. Puis genre, mais. Ouais, non, c'est vrai. Mais l'idée. T'as pas nié la vibe qu'on avait. J'ai compris la vibe, c'était des blagues. Mais juste pour rappeler, mettons, aux gens qui écoutent, l'idée, c'était, dans le fond. Le pourcentage, le taux de criminalité, quelqu'un a dit que c'était principalement les Noirs qui étaient responsables pour ce taux-là. Puis là, Justin, comme embarqué dans genre un pourcentage, c'est comme, OK, mais si vraiment il fallait que ce soit eux qui fassent tous ces crimes-là, il fallait qu'ils donnent 36 heures par semaine de blablabla, puis clairement, sont trop paresseux. C'est genre... C'est wrong. Ah, c'est-tu que j'ai trouvé ça drôle? Mais tu sais, le propos... Le racisme avec du racisme. Mais le propos est clair. Oh, ouais, ouais. Le propos, c'est... Le monde ne comprend pas, on s'en calme. Mais ce qui écoute autre chose, ouais. Bon, tenez-vous le pour dire. Un bon vendredi. Écoutez autre chose, la ben, t'aimes pas on ça? Ben, mange mon esti de cul parce que ça changera pas ici. Ça changera pas. Moi, j'aimerais ça quand une épicerie a un branding comme ça. Oh! J'ai pas mes saleries, ben, mange de la marde. J'aurais aimé ça que ce soit toi qui dise, c'est même pas ça, retournez votre crise de pays. Oh, man. Mais en tout cas, ouais, mais quand tu sais que l'intention est bonne, genre, il y a de quoi de très drôle là-dedans, je pense. Mais ce qui est nice avec les podcasts, c'est que, tu sais, moi,
dans vie, je suis chauffeur de bus, tu sais, fait que je fais que ça, écouter des podcasts. Ouais. C'est-tu à Longueuil ou à Montréal que tu fais ça? Ça arrive ça. Ça arrive ça, là. Ouais. OK, OK. Fait que... je fais que ça, écouter des podcasts, tu sais. Ouais, ouais. Puis, t'es c'est comme boss? Si tu viens, chum. Hein? T'es mets-tu dans ton boss, tes écouteurs? Ouais. Ah, ouais. Un petit écouteur à gauche. Ok, ok, ok. Okay. Puis, non, non, pas dans le boss. Ouais, mais je pourrais, sur un Bluetooth, j'aurais le droit. Ouais, ouais. Ouais. Puis, en fait, c'est l'écouteur que j'ai pas le droit. Je viens de me mettre dans la merde. Ah. Fait que, non, non, c'est non, non, on parlait d'une job fictive. Tu te rapproches vraiment des animateurs, puis tu fais comme, ah, ouais. Cresson, cool. C'est ouais, comme ouais, une émission ouais. de radio, une chum. Ouais, ouais, c'est ça. Exact. Moi, ouais. J'aime ça. T'as l'impression ouais. que tu connais en plus ces gens-là. C'est ouais. Ouais. Parce que même les artistes que t'aimes pas nécessairement ce qu'ils font, t'apprends à découvrir une autre facette. C'est comme ouais, ouais, la personne pas, en tant que telle. Je suis pas fan des grandes gueules, mais l'épisode de WhatsApp Podcast avec Jer, avec Mario Tessier. Ouais, j'ai écouté hier en plus. Ou José Godet à sous-écoute. José Godet à sous-écoute, là. C'est sûr, moi, je trouvais qu'il renait des gags. Ben, c'est sûr. Ben, il se donne tout le temps. Je pense j'ai pas l'impression... qu'il renait des gags. Ah, ben, non, mais c'était des gags en banque. Là. J'ai l'impression mais... qu'il ouais. utilisait beaucoup l'opportunité. Je pense que c'est un, ben, un réflexe, peut-être. Ces dudes-là, ils ont tellement écrit constamment ouais, à chaque journée, ouais, ouais. comme des machines. C'est un public aussi devant toi. Ouais, c'est ça. Je comprends, mais personnellement, les plus drôles podcasts, moi, c'est quand tu t'en attends pas. Ouais, c'est ça. Moi, là, je vais le redire, le classique des Denis Drolet à sous-écoute. Ben, ouais, c'était excuse-moi, là, mais ça ça a battu des records de me faire rire personnellement. Non, ouais. Il insultait le serveur, puis oh, ouais, Guidon, calisse, amène-moi mon Estite 7-Up. C'est qui, lui? Est-ce que c'est drôle? Moi, j'étais là en plus quand ils l'ont enregistré, genre la première fois qu'il était venu, puis genre, il commence, genre, t'as juste Denis Appelette qui arrive, puis il fait juste, genre, il s'avance vers une fille qui est genre au premier rang, il fait salut, puis il crie d'en face. Ah, c'est drôle. Ça donne le ton tout de suite, genre, dans la première seconde, ouais, ouais. C'est drôle en crise, surtout quand la personne, mettons, est impressionnée de te voir ou peu importe. Tu sais, c'est drôle de comme, tu t'en vas dans sa face, puis tu cri d'en face. Il y a de quoi de, quoi de comique là-dedans, un peu. Un petit Vincent Léonard d'une palette. Ouais, ouais, un, comme un Roman Coke. Puis il est comme, ouais, non, j'aime pas ça. Il est comme, je vais le prendre. Il est comme, non, 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 donne-moi ça. Il dit, Mike, c'est une gorge. C'est une gorge. C'est une gorge. C'est une gorge. Mike, non, non. Mais les Denis sont magiques. Moi, j'ai fait, une fois, je faisais leur première partie d'une soirée de headline. Pour vrai. Puis dans l'âge, c'est les mêmes dudes, là. Ils sont fucking. Genre, je chillerais avec eux autres, là. Ça les rencontrer, ouais, c'est eux, que je les adore, ces gars-là. Là. Je les adore. Puis ça, je pense qu'ils ont formé pas mal d'humoristes. Moi, je suis sûr que ces deux-là votent pour Québec solidaire. Je suis sûr. Non, là, pour moi, c'est libéral, mais c'est ironique. C'est genre... Fait qu'il rajoute un parti qui n'existe pas. Genre. Vous, les boys, êtes-vous ouverts à le dire ouvertement? Oui, votre parti de sélection pour les élections, le premier temps? Ça me dérange pas, j'ai pas vraiment encore choisi. Je suis vraiment indécis en deux parties. T'es encore full de temps, deux jours? Ah non, mais c'est ça, je vais me décider la journée même. C'est là, je vais peut-être jaser avec du monde pendant que je vais aller voter dans le fil. Eux vont être mal à l'aise. Ça serait drôle que tu sois dans le fil du moment où t'es rempli de personnes qui votent conservateur. T'es comme... Ah, mais dans ma circonscription, c'est sûr que ça va être libéral qui va gagner. C'est quoi ta circonscription? C'est celui-là, Anjou, Louis Riel. C'est comme libéral depuis avant que le parti existe. Ouais, depuis avant Anjou. Eux autres, tu vois pas les nouvelles. C'est mort, là. Mais j'hésite, je sais pas si je vote soit Québec solidaire, soit PQ. Ben, je trouve que le PQ, ils ont un point qui est quand même nice sur la liberté d'expression. Que c'est clair que Québec solidaire a pas, à mon avis. Hein. Parce qu'ils n'en ont pas parlé vraiment, mais même leurs partisans en général. Mais leur chef... On fait pas de joke là-dessus. Puis là, je suis comme... Ah. Fait que je sais pas si je vote en société ou pour moi. Il faut, faire la, faire la différence entre les partisans puis les communicateurs du programme Québec solidaire. Je suis d'accord pour dire qu'il y a beaucoup d'extrême-gauche dans Québec solidaire, mais malheureusement, l'extrême-gauche est fortement apportée par les partisans et non par les chefs. Il n'y a pas de chef. J'ai un blanc de mots. Bref, c'est plus les partisans qui vont apporter une façade, que je pourrais dire, d'extrême-gauche, sans forcément que ça soit ça, le programme. Tu sais. Mais je te comprends, là, parce que moi aussi, je regarde... Hey, c'est quand qu'on dit caca pour les ramener? Caca! Caca! Juste regarder la vidéo d'Inantel qui viennent de faire, le Vox Pop. Ils ont fait un post, je pense, le 25 septembre, le 24 septembre. Vas-y. Il a fait un post comme quoi qu'il s'est fait beaucoup insulter. Ça, c'est commun. Tu sais, Inantel, à chaque Vox Pop qui sort, il se fait beaucoup insulter. Ouais. Et il finit par dire que c'est tout du monde du programme Québec solidaire. Tu sais, puis c'est malheureux de dire qu'il y a beaucoup de partisans qui voient cette partie-là... parti d'extrême gauche, mais ce n'est pas ça. Mais je le vois pas comme un parti d'extrême gauche, mais je trouve qu'ils ont des tendances.
un peu plus. Mais c'est pour ça que je sais pas, parce que tu sais, il y a beaucoup de leurs points que je suis comme, ben ouais, Chris, ça fait du sens. Mais ils brassent beaucoup de choses, en fait, c'est normal. Ils ont 8000 promesses, mais comme toutes les parties en campagne, là, c'est, moi je les vois à peu près tout le monde comme des vendeurs de balayeuses. Là, qui sont comme, ben, en fait, je trouve pas qu'ils ont plus de promesses nécessairement que les autres parties. Non, mais les autres en ont autant trop. C'est ça, seulement les promesses qu'ils offrent, c'est des promesses, c'est du nouveau. C'est des nouvelles affaires qu'on n'a jamais entendues. L'éducation gratuite du CPE à du doctorat, personne n'a jamais emmené ça, là. Non. Certains vont dire que c'est farfelu, mais... Ouais, certains diront au Chris comment ils vont faire. Certains diront... Non, mais tu sais, quand t'apprends à regarder le programme comme il faut, je trouve que le... Ah, t'sais quoi, t'sais. Mais c'est une question qui est légitime en même temps, parce que, genre, si tu questionnes, parce que, personnellement, le Québec solidaire, je trouve ça bien, puis moi, je leur souhaite d'être une opposition forte en chambre, parce que je les aime bien en tant qu'opposition. La raison pourquoi je les aimerais moins au pouvoir, c'est que toute leur politique en termes d'économie est tout le temps un petit peu bizarre, à mon avis, à moi. Mais j'aimerais ça qu'ils soient une opposition, mais... Puis là, je m'en veux plus où je m'en allais avec ce cas. Non, mais en fait, c'est je me suis écouté parler. Sincèrement, c'est ça qui est arrivé. Ce que je comprends, ce que tu veux dire, c'est qu'on serait content que Québec solidaire réussisse à devenir un parti minoritaire. Parce qu'en devenant un parti minoritaire, comme en se présent, c'est la CAQ contre les libéraux. Si c'est les libéraux. En devenant minoritaire, on devient plus parlé. Le monde en parle plus. On est plus souvent, on passe souvent plus à la TV. On t'sais, veut pas, on est plus souvent à vue. Alors, juste de devenir minoritaire avec un Québec solidaire, ça serait déjà fantastique. Puis là, on parle de... C'est fou, là. On a passé de 8% dans les sondages, puis là, on est à quelques jours du scrutin. 80%. Non. À 80% de la population! On devient pays le 2 octobre, là. On se sépare, là. C'est fait, c'est signé. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y a des questionnements par exemple qui se pose par rapport à Québec solidaire, par rapport à toutes leurs promesses électorales, parce que puis si j'en parle à quelqu'un qui est vraiment QS comme à fond, puis je dis ouais, mais comment ils vont réaliser ça, souvent ils vont me répondre genre ben là je trouve que t'es un peu de mauvaise foi, comme fuck you, c'est une question qui est légitime. Tout à fait. Parce que tout ce que j'ai entendu, peut-être que c'est moi qui vais faire assez de recherche, là, mais tout ce que j'entends, c'est surtout genre on va faire la gratuité scolaire, ce genre de truc-là. Mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi ton plan vraiment, là? T'sais, c'est quoi ton plan, puis ton budget, là, 2019, ça va être quoi? En fait, je vais essayer de décrire le mieux possible ça, ta question. Je suis pas, tu sais, j'aime la politique, mais je suis pas crèche un second d'être trop. Non, mais ça le visait pas particulièrement non plus. Je viens de faire la loupe, parce que c'est déterminant, le S après les D. Je veux dire, là, je vais défendre, là, jugez-moi pas, je vais peut-être dire des erreurs, mais je suis quand même beaucoup informé côté politique. Okay, je peux répondre à ta question. Le Québec, on a des bonnes retombées économiques ces années-là. Ces années qu'on est présentement, on a quand même des bonnes retombées économiques. Et il faut penser quelque chose, c'est qu'en 2018, puis pour les années à venir, il faut investir dans le bon. Il faut faire le bon choix. Puis le bon choix, vous allez tous être d'accord avec moi, c'est l'environnement. On est rendu à un point non-retour. Quand je pense à des scientifiques à Maison-Blanche qui le disent très bien qu'en 2020, si on ne fait rien, on est rendu au point non-retour. Moi, personnellement, je ne suis pas pour vous, je veux une famille. Puis une famille, dans 40-50 ans, là, j'ai peur. J'ai très peur de l'environnement. Au Québec, au Canada, on a les sources d'eau potable les quantités les plus importantes du monde entier. On vend ça, je vais te donner des exemples, comme Manon Massé a déjà dit. Le litre d'eau potable, on vend ça le quart d'une scène noire, man. Peux-tu craindre? C'est une des denrées qui va devenir les plus rares au monde et on vend ça le quart d'une scène noire. On pourrait la vendre une scène noire, calice! Hey, on vient de faire du progrès en tabarnak, là! Hey, on part d'un quart d'une scène noire à une scène noire sur je sais pas combien de litres. Tu te fais du profit en titi, là! Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est 400 litres. Mais une pièce. Là-dessus, c'est juste pour faire mon fucker là-dedans un peu. Ben non, vas-y. T'as le PQ que sur la commercialisation de l'eau. Je suis pas capable de dire le mot, non, mais c'est quand même c'est un phénomène répandu, personne n'est capable de dire ça. Eux, ils proposent quand même des avancées là-dessus aussi. Fait que je suis comme... Je suis d'accord. Puis on s'entend pour dire que le PQ puis Québec solidaire, c'est deux parties de la gauche qui se rejoignent. Mais t'es d'accord, mais il n'y avait pas fini. J'avais fini à peu près. Ben, j'ai pas compris. On va boire de l'eau. Bref. Ouais, mais en même temps, le problème avec l'eau potable, avec le temps, ça va être de protéger ces sources d'eau potable. Puis c'est ça qui est le problème. Ce qu'on ne fait pas vraiment. Non, ben en fait, c'est parce que notre armée américaine en plus, puis c'est pas con comme erreur, là. Genre, notre armée, principalement, c'est genre, on a plusieurs, genre, dans l'aviation, on est fort.
On a quelques affaires, mais on se naît tout le temps avec les États-Unis pour être capable d'arriver à quoi que ce soit. Fait que on a des hosties de bons gamers de Minecraft au Québec, là. C'est vraiment bon. C'est vrai, c'est si on a des drones, si un jour on arrive à avoir plus que comme 3 drones au Canada pour se défendre, genre, on va avoir des gamers incroyables pour les piloter. Mais, mais la guerre, ça va être ça. Ça va être une grosse game de World of Warcraft. Pour les bons potables. Et voilà, les États-Unis viennent prendre le Canada. Ça devrait tellement être ça, ça serait plus cool. Mais déjà, une grosse game de risque en ligne, là, puis on décide ça là. Soit un clavier puis des Cheetos, soit ça se peut que tu te fasses tirer. Ben, parce que, en plus, le nerf de la guerre aujourd'hui, puis ça a été depuis genre les dernières grandes guerres, là, c'était le pétrole. Ils ont même essayé de faire des sièges là, pour arriver à couper genre le pétrole vers certains pays puis tout ça. Mais aujourd'hui, avec le temps, vu qu'il y a des camions puis des voitures qui sont électriques, ça va être quoi le prochain truc qu'on va prendre pour faire chier quelqu'un? Ben, ça va être l'eau potable. Puis c'est nous autres qui avons la majorité de l'eau potable. Et pas juste l'eau potable. On parle du lithium aussi, une source qu'on utilise pour faire les batteries électriques dans les chars électriques. Ouais. On est un des producteurs les plus importants de lithium. Oui. Ah oui, OK. Et c'en est une autre style d'affaires qu'on se fait fourrer long comme le monde. Et Manon, là, c'est fou comment quand je la vois parler, là, elle n'a pas peur de Trudeau. Tu sais, je veux dire, elle s'en crise des risques, là. À un moment donné, c'est demain ou pas pantoute. Moi, là, demain, là, j'ai une piscine creusée flambant neuve puis une Lamborghini dans le cours, je m'en calisse, là, s'il n'y a plus de planète, comprends-tu? Il faut vraiment commencer. La planète, elle va être là. C'est l'humain qui va disparaître, là. La planète, Je me rappelle, c'est George Carlin qui avait un bit là-dessus. C'était genre un des meilleurs bits que j'ai entendu, mais oui, tu fais bien. Oui, j'adore. Bref, tu sais, c'est juste une question. Je suis personnellement tanné qu'on se fasse fourrer dans tout, puis qu'on vende tout à rabais, tu sais. On fait tout, on donne nos ressources. Le plus loin qu'on peut aller aux mines à Thetford Mine, tu sais, c'était toutes des grosses business américaines qui ont acheté ça. Un moment donné, là, on peut-tu au moins vendre pour la juste valeur ce qui nous appartient à nous au Québec? Mais il y a des raisons d'économie mondiale qui sont comme plus compliquées par rapport à tout ça. Mais... probablement. Comme j'ai dit, j'ai un secondaire 3. On vient d'arriver le cut-off de mes ressources mentales. Je te dis ça, j'en connais même pas plus que toi là-dessus, là, sincèrement. Mais j'ai un ami qui est étudiant en économie puis qui me parlait un peu de l'économie mondiale. Puis quand il m'en a parlé, j'ai fait crie, je connais fuck all là-dessus. Puis quand. Puis peut-être qu'il y a un rôle à jouer là-dedans aussi. Là. Ça se peut que ça ait un rôle à jouer. Le business du pétrole qui est quand même encore fort. Comme les voitures électriques et tout ça, ce sont un bon point. Là. C'est extrêmement bon. Ouais. C'est l'avenir qui est là-dedans. Mm-hmm. En 2030, c'est un petit peu intense. Ouais. Ben, c'est plus la Grande Bretagne mondialement pareil. Là. Ouais, mais la Grande le pétrole, déjà, ça touche pas juste les chars. Qu'est-ce que tu voulais non. dire bon, mondialement? Ben mondialement, le pétrole, ça fait rouler quand même pas mal de monde. Mais 2030, tu veux dire, ce que le Parti Québec solidaire a dit d'enlever les voitures au diesel pour 2030, mais c'est pas mondial, ça. C'est... Non, c'est pas mondial, c'est pour le Québec. Pour le Québec. Mais c'est d'enlever la création de véhicules diesel. C'est pas d'enlever les véhicules diesel des routes. Non, sur les routes, ça va. C'est, après ça, c'est, ils arrêtent d'en faire. Mais tu sais, quand je regarde Volvo, l'année prochaine, ils arrêtent. Ils arrêtent les voitures à diesel, c'est fini. Mais il va y avoir des hybrides surtout, mais initialement, juste à gaz, il y en aura. Les concessionnaires, ils ont déjà donné leur date de fin fabrication, la plupart, de voitures à diesel. Et tu sais, on parlait tantôt comment qu'on va faire avancer l'argent pour créer toutes les astis de projets. C'est simple. Ben en même temps, non, c'est pas simple. C'est pas vrai que c'est simple. Parce que quand on parle de pétrole, on parle pas juste de voitures non plus. Il y a le pétrole qui va dans les avions, dans les bateaux, partout. C'est cette logique-là. Québec solidaire amène la taxe du carbone aussi. Une nouvelle taxe sur le carbone, c'est de l'argent de plus accumulé. Pour pouvoir. Mais tu sais, en même temps, tu vas pouvoir me dire, OK, sauf que moi, si je veux un pick-up parce que j'ai je veux faire du camping une fois par année avec ma famille, pourquoi moi, je paierais. On sait que ceux qui ont des pick-up, c'est pour ça. Mais non. Il y a des fans de plein air. Mais il y a des problèmes comme certains pays qui, eux, s'en calissent, puis il faut rester compétitif dans le marché mondial. Je suis d'accord. Puis je suis pas que je suis pas d'accord avec une taxe sur le carbone, pas du tout. Je comprends qu'il y a un enjeu là-dedans puis tout ça, puis c'est vraiment important, mais pour rester compétitif en termes juste économiques, là, sur l'échelle mondiale,
comment tu veux dire qu'il va y avoir plein d'entreprises qui vont vouloir s'établir ici quand on a comme 10 fois plus de restrictions qu'ailleurs? Eux autres, c'est pas difficile. OK, parfait, pas de trouble. Nous autres, on s'en va en Chine ou... Exactement. Mais c'est le fun que t'apportes le fait que des compagnies vont-tu vouloir rester avec tout ça? Surtout le salaire qui va monter... On parle de si Québec solidaire vient majoritaire, là. Le salaire minimum qui monte à 15 $, tout ça fait peur. Là. Il y a beaucoup de... Mais ça, le coût de la vie va augmenter aussi. Ben, exactement, il y a beaucoup de gens qui vont dire les grandes compagnies vont partir. Sauf que moi, j'ai le goût de dire, on est au Québec. Au Québec, là, ce qui nous retient à être au Québec, c'est pas juste la main d'œuvre. Ouais. Je veux dire, le Québec, c'est beau. Le Québec, c'est grand, c'est vaste. Vas-y, va-t'en ailleurs, là. Mais tu... C'est pas toutes les compagnies qui vont partir du jour au lendemain parce que le salaire a monté à 15. Ça c'est sûr que non, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont partir aussi. Hein. Comme qui? Ben, comme qui? Ben, déjà, ben à la base... Florentine, je sais pas. mais à la base, pareil, à la base, c'est de nos gros trucs, on en a plus tant que ça, tu sais, qui se font aussi. Hey, Walmart, majeures. Je veux dire, Rona, on vient de vendre ça aux États-Unis. Ça, c'est plus là. Saint-Hubert, ça décolle. Faut faire attention parce que le on est très large, là. Faut se rappeler que c'est une entreprise privée qui appartient à une personne qui a fait « Toi, dude, tu le veux? All right, je te le vends. » Faut pas, parce que j'entends souvent, hey, on a vendu Saint-Hubert. Non, il a vendu Saint-Hubert à une autre personne qui voulait acheter Saint-Hubert. Si je vends mon char demain matin aux États-Unis, personne ne fait presse là-dessus. Là, c'est lui qui m'a donné le meilleur prix. Je l'ai vendu aux États-Unis. On a un char de moins au Québec. Basically, c'est ça qui arrive. Mais moi, j'ai une grosse question, par exemple, à vous poser personnellement. C'est toi, Gab, qu'est-ce que t'en penses? Yo. Il veut qu'on va manger des hot dogs dans tout. Moi, je suis content d'avoir des vacances. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça ma réponse. Bref, Québec solidaire, allez voter. Ouais, ben allez voter. Non, mais allez voter. On peut-tu juste dire allez voter? Non, on peut pas dire ça. Ben moi je pense que c'est pas le point. C'est déplacé. Ça enregistre plus. Allô? Allô? L'affaire des Noirs, tantôt, c'était correct, mais voter, là. Hey, Chris. Non, mais il y a Bill Hicks, que ça, c'est rempli de cynisme, par contre, mais qui a un gag fucking nice qui dit que, qui est comme, tu sais, de la marionnette qui est plus à gauche, en parlant des politiciens, la marionnette qui est plus à gauche, ça correspond plus à mes valeurs. Mais la marionnette de droite, économiquement, ça peut être bon, mais tu sais, au fin fond du compte, c'est juste la même personne qui tient les deux marionnettes. Mais c'est quand même réfléchi, là. C'est ouais, non, mais Bill Hicks, c'est un malade, là. Il me fait capoter, là. Allez écouter ça. C'est un stand-up? Ouais, c'est un stand-up. Il est mort maintenant. Il y en a beaucoup comme moi. Je sais pas si je suis juste aveuglé ou je suis juste manipulé, mais pour vrai, je ressens quelque chose de nouveau avec Québec solidaire. Personnellement, la politique fait longtemps que j'entends des discours. C'est con, là, mais ils ont juste plus de moyens, man. Hein? Ouais, non, mais moi, je pense. Ils ont investi plus. Ben, il m'a dit en affaire, les libéraux, ils ont élargi la campagne électorale, puis Québec solidaire, ils ont demandé des donations à la fin parce que. Ils n'ont pas un fonds énorme comme les autres partis. C'est un nouveau parti. Ouais, c'est sûr. Ouais, hey, c'est sûr. Manon Massé, Couillard, il est parti avec l'idée. Il a dit, on va dire à tout le monde nos salaires. T'sais, on va dire, non, c'est pas vrai, c'est Legault. Il a dit, on va dire nos salaires ouvertement, nos revenus totaux. Ouais, ce qui est une idée correcte. Ben, ouais, correct. C'est câble, là, en même temps. On s'en crisse un peu. Ah oui, moi, je trouve ça on s'en crisse. On s'en un tour de magie. Oui. Regarde là. C'est drôle, en même temps, parce que Couillard, il est angoissé en ce moment. Non, mais j'ai entendu Couillard, il était là, puis j'ai entendu ça à la radio. Oui, il était comme, moi, il dit, je suis pas un multimilliardaire. En autant que j'ai mon 75$ par semaine pour mon épicerie, le reste, j'en ai pas besoin. Il est comme, moi, j'essaie de me monter mon argent. Moi, j'ai pas plein de millions de dollars cachés à l'étranger comme François Legault. C'est comme, on s'en crisse de l'argent qu'il y a. Comme si, genre, oh non, moi, je veux pas d'argent. Moi, je veux juste qu'il soit compétent, là. Tu sais, Manon Massé, elle a un revenu... consciente de ce qui m'affecte. De 43 000 à comparer à toutes les autres, c'est des sommes épouvantables. Ouais, c'est sûr, mais 43 000 avec des biens. Elle a des biens, elle a pas juste ça, là. Elle a une moustache, elle a 40. Ça vaut au moins 20 ça, c'est, on parlait de la liberté d'expression. Tantôt, t'as Urbania qui ont fait un texte qui disait, on n'a pas le droit de rire la moustache de Manon Massé. On a le droit de tout. Ouais, puis après ça... Ça, tu vois, c'est carrément... Puis dans Urbania, man, c'est ma crise de queue d'alcoolique. Fuck que j'ai haï, man. Puis dans le texte, je suis d'accord avec toi, puis dans le texte, ils citaient des gags qu'ils trouvaient obscènes. Puis c'est ceux qui m'ont fait rire, les gags. Il y a un gars qui disait genre, Manon Massé, up pour le look Jack Layton. J'étais comme...
Urbania. Non, mais c'est ça, c'est Urbania. Ça, moi, c'est toujours quand on tombe dans l'extrême de ces partisans-là qui voient pas juste simplement le sens de l'humour. On peut-tu juste être civilisé, comprendre les intérêts valorisants que Québec solidaire nous amène, sans tomber dans rier pas de ça. Mais en toi, tu vas parce que tu PQ, c'est ça? Non, non, aucunement. Mais au-delà tout est... Tout est... Moi, je suis libéral. On comprend. Ouais, mais en même temps, c'est qu'au-delà de ça, genre, tu donnes une tribune, puis tu dis toutes les astuces de genre, c'est comme, ben oui, je le sais. Les astuces de langue sale qui disent qu'elle a une grosse crise de lesbienne, genre. Ça, Chris, le sac de chips. Ouais, c'est ça. Cochonnerie. Urbania, le sac de chips. Tu sors toutes les post-mines sur eux, genre, c'est comme, Chris, ça, ça se dit. Qui est en protection. Lui, il s'est dit Chris. Et au Mexicain. Il s'est dit, c'est bon de l'ours polaire. Des fois, tu vas te faire un snack, t'as pas de viande, un bon steak polaire, c'est bon, tabarnak. Ah oui, Trump aime beaucoup les ours. Ça, là. C'est un hostie de fait qu'on s'organise un voyage la semaine prochaine, on s'en va chasser l'ours. Mais tu sais, là, je vais me faire tuer pour ça. Mais tu sais, un hoodie en ours polaire, c'est sûr, ça reste badass, là. Non, mais moi, je porterai pas ça. Je suis conscient que c'est immoral. C'est drôle, en je suis pas en tuer dans ma image. C'est badass. Dit par le gars qui fait des blagues de noir depuis deux semaines. En plus, c'est un angle intéressant parce que, genre, tu dis, tous ces. Tu sais, les gens qui portent la fourrure, qui font peu importe ce qui est jugé immoral aujourd'hui, genre, ils le font parce que c'est nice en tabarnak dans leur tête, là. Il y a une bonne raison. Ouais, mais on s'entend qu'un manteau d'ours polaire, une tache de vin rouge, c'est fini. Oui, oui, exact. Oui, on est d'accord là-dessus. Une tache de vin rouge, j'y ai fini. Ouais, 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 il est fini. Tu viens de tuer un ours, mais il est fini. Ton manteau va être du lion. Mais juste dans un angle comique, il y a de quoi de drôle en tabarnak là-dedans. Non, Trump pourrait être. Si c'était de la comédie, il serait drôle en Chris. Ouais, hey, imagine dans 20 ans quand le monde va regarder ça, on va faire Chris voir que ça. Mais dans 20 ans, ils vont être rendus où, tu penses? Ça va être pire, man. Non, je pense pas. Moi, je pense que. Je pense que dans le summum du pire, on est là en tabarnak. Ah, check man. Check mais un doute comme Trump, il s'est fait élire juste pour mon. Genre, check, on a mis le dernier des crétins, là. Ah ouais. À cette heure, écoutez-nous, là. Arrêtez de nous prendre pour des câbles. Il y a juste à la place des Américains, là. Ah ouais, non, c'est ça. Mais ça a été à un moment donné, eux autres, ils sont juste dit, on peut-tu aller vers un plan B, hein, crissement mauvais plan. T'as pogné mon space bar en même temps de... Ouais. Mais c'est pas... Ça te fait de pause? Ça a fait une petite pause. Qui pourrait confondre, créer une petite confusion, mais on s'en crisse. Emery qui dit, j'aime vraiment Trump. Le Trump, il est absurde. On va se le dire, ce gars-là doit avoir une astie de long bat, hein? Ah oui, absolument. Il y a un trop gros muffin top, man. T'sais, le monde était comme tout blessé parce qu'il a dit qu'il attrapait des plots. Voyons, il n'a pas besoin d'attraper des plots. Il sort son bat puis il est correct. Là. Voyons. Mais le pire, c'est que moi, j'avais écouté les élections américaines quand ça s'est arrivé. J'arrêtais pas de dire à tout le monde, ah non, Trump va gagner les élections, là. C'est américain, c'est Bob Graton. Puis après ça, tout le monde me disait, ben non, t'es un malade mental. Moi, j'ai eu peur, man. Là, il gagne. Mais les Américains voulaient juste comme un TV show, man. Ouais. Ah ouais, là, c'est bon, c'est exact. Mais c'est Bob Graton, c'est une thing big. Ben ouais, honnêtement, c'est une bonne comparaison. Le dernier acteur ou homme populaire qu'ils ont élu, là, c'était Richard Nixon. Tu sais, le gars du Watergate qui a crissé son camp en milieu de mandat parce que le monde était comme, OK, mais c'est fucking louche que tu fais en ce moment. C'est lui. Fait que genre, c'est la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'est Richard Nixon, puis ça a donné la guerre du Vietnam. OK? Bonne semaine. T'as-tu vu comment Trump, avant d'être président, le monde était à ses pieds, là? Ah, il est donc intelligent, man. C'est un gars à succès. C'est un homme d'affaires. C'est débile. Et de la minute qu'il a ouvert sa gueule, le monde a fait comme, oh fuck, non, man. Chris, finalement, bon, c'est pareil comme Claude Legault. Mais pour vrai, ouais. Comme Claude Legault. C'est Monsieur Garrison dans South Park. J'aimerais que Claude Legault fasse comme « Ouais, je veux un mur avec l'Alaska. » Je ne sais jamais qu'il rentre ici. C'est François Legault, là. C'est immigré alaskien. Moi, j'aimerais ça que cet homme-là soit brûlé au complet. Ah, tu sais que c'est drôle. C'est drôle parce que tantôt, tu parlais de le chum là, qui fait des voix de filles, là. Ah, Marc Labrèche? Ouais. Lui, il a dit ouvertement. Le chum qui va des. Ah ouais, petit chum, là. Marc Labrèche. Beaucoup de. Tabarnak. Ouais, petit chum Labrèche, là. Le petit Labrèche, comment tu l'appelles? Marc. L'autre, là, le style de lait. L'autre fait bye-bye, le style depuis 3 ans, là. Ah, il est fucking bon. Oh, non. Mais moi, j'aurais aimé ça, voir bébé Labrèche, genre sa petite face, là, toute.
Lui, quand il était petit, tu veux dire? Bébé Courtemanche aussi, mais il doit avoir une petite bouche après ça. Mon père, au secondaire, il était là avec Michel Courtemanche. Ah, il était au même secondaire. Ouais, il était un peu plus vieux, puis avant Courtemanche, quand il traversait la rue, il faisait tout le temps le même gag, il échappait comme son portefeuille, puis il retournait, il les ramassait, il échappait ses clés, puis il y avait juste plein de chars. Klaxonnait. C'est drôle. Sans arrêt à l'intersection. Genre, juste, il gossait là longtemps. Tu sais, Courtemanche, genre, à 24 ans, c'était rendu une grosse star. Fait que ça devait être genre comme genre 6 ans ou 7 ans avant, 8 ans. Fait que les gens décollissent devant moi. Lui, il a connu le vrai showbiz qu'il avait quoi. Une big star. Ben, je pense qu'elle était mondiale. International. C'est le premier humoriste québécois qui a fait genre pas mal de continents pareil. Là. C'est parce que des onomatopées, c'est international, ça. Là, ouais, ouais. Un gars qui joue du drum, c'est drôle. Regarde les formes qu'il fait avec son visage. Ah, mais non, mais il fait des grimaces pareilles. C'est juste la petite séquence quand il décroche sa mâchoire, puis ça fait genre. Puis ça se promène comme ça. C'est un vrai Jim Carrey. Ouais. C'est la même Rowan Atkinson qui faisait Mr. Bean, il a volé son numéro du drummer. Oui, oui, oui. Ben, je sais pas si c'est le numéro du drummer, mais. Mr. Oui, Bean, il a un vrai nom. Ouais, ouais. C'est... c'est bizarre que je le connaisse. Ça va, là, mais... Moi, j'aimerais mieux qu'il s'appelle Mr. Bean. Mais ouais, ouais, non, c'est le drummer qui avait soit volé ou eu la même idée. C'était pas clair. Non, mais je pense. En tout cas, je sais pas, j'avais entendu ça, je pense, à sous-écoute. Fait que probablement que le monde l'ont déjà entendu, là, mais je vais leur dire pareil vu qu'on a commencé. Là, mais non, le monde. Mais on écoute pas écoute ça. Pas c'est ça c'est mais non, le monde écoute juste podcast amateur. Mais j'ai du respect quand même pour Mr. Bean puis ce genre de comics-là qui sont capables de me faire rire en disant absolument rien. Mr. T'sais. Bean t'a fait rire, là? Moi, ben, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. Ouais, parce que quand j'étais jeune, je l'écoutais beaucoup. Mais genre, en tout cas, peut-être c'est juste ça là aussi. Mais moi, ça me fait rire en tout cas. Clairement, t'en réécouterais puis. Ben, j'en ai réécouté, mais je suis quelqu'un de très nostalgique. Fait que, ouais, je moi aussi, j'en ai réécouté, puis j'aimais ça. J'aimais ben, ça quand même. Moi aussi, ouais. Mais c'était pas, tu sais. Ben, j'ai pas ri à me taper ses cuisses comme, mettons, Louis C.K. ou je sais pas. Ouais, mais tu sais, on sentit Christ, tu peux pas comparer Mr. Bean à Louis C.K. Ben non, c'est sûr. mais ça prend un talent quand même pour arriver juste à me faire rigoler un peu. Avec du mime. Ouais, avec du mime. C'est comme, il a rien dit, le gars, puis j'ai compris exactement où est-ce qu'il s'en allait avec son gag. Comme Bill Cosby. Il avait rien dit, mais tu savais en Christ où il s'en allait. Ah, c'est un homme qui avait pas peur de foncer, ça, Bill Cosby. Lâche mon drink, mon tabac. Un homme qui avait pas peur de défoncer aussi. Ah oui. Il défonçait toutes les portes qui étaient devant lui, ce homme-là. Ah oui. Ça arrêtait pas devant un nom, lui. Une porte qui ouvrait pas, il t'a défoncé. Ah, même si, ouais, la fois, c'est que genre, il allait juste souper avec une fille, genre, tu sais, mettons, il y avait une date. Fait que clairement, la fille, elle voulait sa graine. Puis elle a drogué en plus pour être sûr que ça se passe. Dans le fond, c'était peut-être des soupers d'affaires, là. Ah, ouais, Au bout de sa mère, il n'y a pas eu 150 dates dans sa vie, cet homme-là. Il n'était pas si beau que ça. Okay, j'avoue qu'il n'y a pas personne qui devait se méfier de Bill Cosby. On s'entend. Comme si personne ne se méfiait de Gilbert. Ben là, tabarnak. Et Chris, oui. Hey man, t'as-tu vu l'écouter dans l'œil du dragon? Esti, ça a l'air d'une calisse de marque, là, genre avant même qu'elle sorte, là. Il embarque dans des astuces de projet, t'as pas wear, tabarnak. Ben ouais. J'ai une calisse. Je l'ai vu à Zoufès, on était en fil, on allait pour un show, puis t'es juste là, puis regardez, bon, c'est mon nom, regardez, puis je criais, genre, Il est là! Oui, on s'en allait voir Arnaud Soli, puis t'as juste pas un gars, tabarnak, regarde-le, il est là. Il y a une espèce de prestance aussi quand il à ce moment-là, en tout cas, il se présentait. Puis là, tu sais, il marchait, puis comme... tabarnak! Ah, je sais que vous me reconnaissez, là, mais ouais, je me suis présenté. C'est grâce à moi, tout ça. Au Rockfest, il y a deux, trois... Avant le scandale, anyway, juste le Rockfest avant le scandale, on était au Château Montebello, puis on déjeunait, tu sais, avec mon équipe, puis lui, il était assis à table à côté de nous autres. Il était là? Ouais, il était juste à côté de nous autres. OK, OK. Puis pendant qu'il est parti, nous, on avait déjà une bouteille de ketchup sur notre table. Ouais. Il est parti aux toilettes, je sais pas trop, j'avais pris sa bouteille de ketchup, je l'avais cachée. Fait que je veux qu'il me le demande, le ketchup. Puis il m'a pas demandé le ketchup. Ah, il est vu, il l'a pris. Ben moi, non, il m'a juste, il en avait plus besoin. Ah, ok. T'aurais dû poigner le sel puis le poivre. Ça, là, c'est le nerf de la guerre. Son assiette. Dans un repas. Excuse-moi, si tu mon assiette. Hey, tu t'assieds à sa place puis tu manges sa bouffe. Ce gars-là, là, il parlait 24 heures sur 24 au téléphone. Ah oui, ouais. Ah, mais il faisait son jogging puis il était là. Ouais. Puis il mangeait tout le temps au téléphone. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je travaillais dans un resto. Il était en train de communiquer avec ses avocats, puis ça prenait beaucoup de temps dans sa vie. Mais sérieux, t'as regardé n'importe qui a un business moindrement et
tout le temps au téléphone. Ah ouais, ouais, j'ai une business, moi, puis tout le temps au téléphone. T'as-tu, ouais, t'as-tu une business? Ah, oh, ouais. C'est quoi que t'avais comme business? J'avais un commerce de cartes puis de jeux de société, moi. Ah ouais? Ah, ah, pour vrai? T'as 20 ans? T'as 20 ans? Oui, c'est... Ouais, c'est fou, hein, ça, t'as 20 ans. L'école en secondaire 3. Un commerce, là. Un bon flash. D'un bon flash. T'sais, à 20 ans, quand t'as déjà eu un commerce. Ouais, ouais. Non, mais ben, c'est cool. Mais ça marche plus. C'est rare. Ah, ça marche plus. Ah? Ça marche. Que je fais? Mais t'as des tournois quand même, puis tu peux torcher les cures. Oui, ben c'est ça. Mais non, mais c'était... Sérieusement, c'était... J'étais tellement juste des belles addons dans ma vie. Fait que mais c'est drôle pareil que tu avais fait ça, parce que moi, j'ai étudié longtemps en marketing. Puis notre premier cours en marketing, c'était, tu sais, les bonnes compagnies, les mauvaises. Puis dans mauvaise, il y avait juste carte magique, faillite. Ah, ouais. C'est voué à l'échec, est-ce que les cartes magiques, c'est spécifique en crise comme marché. Ah, mais attends, attends un peu. Là, c'est parce que je dis carte magique, c'est carte de collection et jeu de société. Là. OK. Ah, ouais, c'est puis c'est surprenant comment que le milieu des cartes magiques, le monde qui connaisse pas ça, ils sont comme ah, c'est claquant. Mais des cartes là, à 200-300$, j'en vends. Là. J'en achète pas. Oui, oui, c'est clair. J'entends pas là-dessus. Moi, j'étais plus dans les cartes de hockey. J'ai OK, on va changer de sujet. Puis la semaine passée. Moi, j'étais plus à genre fourrer des filles, mettons. Non, mais c'était pas dans le sens. Ah, mais j'ai une petite anecdote vite qui me vient quand j'avais mon commerce. C'est drôle. Moi, je l'ai, écoute. Je dépends. Mais il y a une petite fille qui rentre dans mon commerce. C'est pas drôle. Chris, une petite fille en partant. Hey, Chris, c'est wrong. Elle rentre, excuse-moi, t'as-tu ça, tu fais-tu ça des tatous? J'ai dit, si, bois, t'as peu, là. Non, j'ai cranium 2.0 avant, mais non, des tatous, je fais pas ça. Elle dit, OK, ouais, ouais. Elle se met à chercher une demi-heure dans mon commerce. Écoute, j'ai un aller, là. Je faisais, t'as fait l'auto, là. Elle cherche. À un moment donné, elle revient me voir. Elle dit, ben écoute, t'as-tu ça de langue de Chine? Voyons, Chris. J'ai dit, non, j'ai pas ça. J'ai dit, pourquoi? J'ai de la peinture pour des miniatures, mais j'ai pas de langue de Chine. Elle dit, je veux me faire un tatou, puis je me cherche de langue de Chine. J'ai dit, tabarnak. T'es pas à bonne place, la grande. Elle voulait se faire son tatou. Ouais. Elle était mindée, faisait une demi-heure qu'elle tournait. T'as pas des tatous de langue de Chine? Non? Gros, c'était drôle en tabarnak. Elle cherchait une aiguille, puis de la ficelle, ça fait un tatou. De la ficelle? Ben gros, une astuce de crinqué. Tabarnak. Saint-Hyacinthe downtown. Ça, c'est à côté du Flamingo. Tu sais, tantôt, quand j'ai fait mon gag. C'est un bon gag. Je savais pas que c'est une vraie place. Ça frappait l'imaginaire, mais je savais pas que c'est une vraie place, par exemple, Flamingo. Mais Saint-Hyacinthe, c'est juste moi qui ai vu des vieilles danseuses. Je pense que oui. Mais moi, je suis pas allé si bon danseuse. Ah oui, ok. L'image que je faisais. Moi, j'étais souvent, ma soeur a été inscrite à l'Académie d'Anza, puis à chaque fin d'année, il y avait un show. Ok. Mm-hmm. Tu vas être aux danseuses. Juste après un silence. Ouais, je suis souvent allé aux danseuses. Sinon, c'est ça, genre, on pourrait finir avec ça après, parce que je pense qu'il faut peut-être travailler. Ce serait quoi le dude le plus weird que vous avez pogné? Le quoi? Le dude le plus weird, mettons, que vous avez pogné. Oh, ben, il risque de s'en fuir. Attends. Fais ça dans ta barbe, je pense que c'est un sticker. Mais c'était voulu. Hein? Okay. Ah ouais. Le dude sur un Vox Pop, mettons? Ouais, sur un Vox Pop, ouais. Ben, écoute... I shot you fucking up. Ben non, mais non. Ça, c'était léger, le dernier. Ben, c'est sûr qu'au Rockfest, on peint du monde... Ouais. ...solide, là. Des filles qui montrent le sein à profusion. Dégalasse. Non, c'est pas dégalasse, mais on les met pas. Ouais, c'est juste... Sinon, du monde ça, c'est pas weird, là. Toi, tu peux te cracher, ben, quelque chose de troublant. Voir les tontons au Rockfest, c'est commun. Ouais. Ouais, on était allés... Ouais, je l'ai pas mis, ça, sur Internet. Je le mettrais pas, ce serait un manque de respect. Je voulais que ce soit un qui ait pas été mis en œuvre. En fait, je m'en vais... Il se fait un mash-up. Êtes-vous déjà allé au Rockfest? Non, moi, je suis jamais allé. OK. Ben, c'est simple. Il y a comme une rue, il y a l'événement d'un bar, puis il y a une église sur cette rue-là, puis il y a souvent des parties. Il y a bien du monde sur le bord de l'église. Mais souvent, c'est les gros punks sales, comme c'est là qu'ils sont. Ils n'ont pas de passe. Ils chillent là, puis ils consomment. Puis à un moment donné, je m'en vais là faire des vox pop, puis j'interviewe une fille. Je ris, ça me fait rire parce qu'elle est partie raide, puis tout. Puis je fais comme, tabarnak, t'as bu combien de bières? Je commence à y parler, puis tout. Puis elle répond même pas. Elle est comme, puis là, je suis genre, Chris, on va essayer de faire le coup de concret. C'est quoi ton nom? Puis au moment, je donne le micro, puis je m'accroche comme, j'étais à côté d'elle, je m'accroche sur son bras. Yo, elle avait une seringue plantée, man, elle avait une seringue plantée dans le bras avec son élastique encore. Elle venait juste de se faire un fixe. J'ai fait comme... Hey, shit! OK, donne-moi le micro, là, puis... qui t'as tout ça? On coupe, mais on va y faire un Bill Cosby en arrière. Oh. Ah. 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 Ouvre ta bouche! Ouais. Ah, non, mais non, sinon, le monde...
Elle recevait peut-être son vaccin pour la maladie du papillon bleu. Ben oui, ben oui. Elle protégée du tétanos. C'était son insuline. Non, sinon, des affaires weird, c'est des filles, mettons, qu'ils se collent sur toi pour répondre à tes questions, puis qu'ils essaient de jouer les culottes en arrière, t'es comme non. Ah ouais? Ouais. C'est dégueulasse. Mais sinon, non. Le monde, ils viennent nous voir, puis ils savent qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, ils savent qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Quoi, tu veux que Coralis? Non! Non? Non, Moussa, bon, ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon, ben, ok. On va là-dessus. Ben, allez gens... liker nos shit. Merci au Patreon. Je n'ai pensé, on ne les a même pas nommés. J'ai pas la liste. Allez voir dans ton show. Allez, j'ai un cadeau pour vous autres avant de partir. Ah, c'est vrai. Ok. Un cadeau pour vous autres. En fait, on vient de faire ça. Faites tes plugs, Aymeric. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai beaucoup de choses. Oui, en fait, j'ai beaucoup de plugs. J'ai une grosse dans le cul, j'ai hâte de partir de ça. J'ai fait des. On a des cartes, le Stone Show. Ah, ouais, man. Ah, nice. Wow. C'est hot. Ouais, exactement. Je peux t'en avoir une. C'est drôle, il a volé mon pote. C'est parfait. Parfait pour faire des cotes. Ah, ok, je te jure. Ah, je pensais au début que t'avais des genres de petits quadrillés. Non, ça, c'était trop cher, c'était 2$ de plus la centaine. C'est une bonne idée, ça, les cartes. C'est une bonne idée, ça. Fait que le Stone Show, on en dépose partout, Flamingo, partout, puis c'est vraiment cool. Flamingo. C'est vraiment cool. Ah, elles sont belles, pour elles. J'en profite pour profiter de le podcast. J'en fais pas souvent, les podcasts. Je suis très content d'être invité. L'anecdote de la semaine passée avec mon chum Sam. Avec Sam? Ah ouais, puis Gab. Ouais, c'est vrai. Puis j'aimerais en profiter pour vous dire merci de nous suivre pour le Stone Show. Puis merci à vous autres, vous êtes super smart, les boys, pour l'invitation. Merci. Chris, un bon show, puis une belle installation, puis je vais repartir avec le pepperoni. Yes! Moi, je plug juste une affaire. Allez checker le podcast, l'anecdote. C'est tout nouveau. On n'est pas tant dans l'humour. Je m'en vais checker avec. Mettons, le premier invité, ça a été un gros trafiquant de drogue. Qui fait fucking plein d'argent. J'en ai entendu parler. Mon frère m'en a parlé, mais je l'ai pas vu encore. Ouais. Sérieux, c'est surprenant de savoir qu'à 20 000 par semaine, le gars, il était pas content. Ça a l'air malade. T'es pas encore sur iTunes, right? Non, iTunes, ils m'ont refusé la semaine passée. Mais je pense que c'est pour une erreur de... Il fallait que je marque propulsé par Balado Québec. Ils l'ont refusé parce qu'ils parlent de drogue, sauf que nous autres, on fume un bat. Je sais pas, toi, justement. Je sais pas. Au plus, je te donnerai le... Je te ferai... Je suis en contact avec la personne qui... Avec la personne qui s'occupe de ça. Aujourd'hui, là, mais c'est lui qui s'occupe de ça. Au pire, j'ai... Au Scrabble, il est vraiment pas bon, ce gars-là. Sérieux. Fait que c'est ça. Check in Telvox Pop, puis ajoutez-moi sur Facebook, puis on va s'aimer. On va s'aimer tendrement. Là-haut. Dans le soleil. Hey, t'as connu-tu?